Bonsoir à tous les copains, bienvenue sur le stream. Ce soir, on continue The Quarry. Cette fois, il n'y a pas de changement de plan, les gars, on continue bien The Quarry. Je suis sûr dessus, et on ne quittera pas. Comment ça va mon petit poulet cosmique? Comment ça va mon petit Tel Darkness? Comment ça va les copains? Avez-vous passé une bonne journée? Bien d'ailleurs, j'ai pas mis mes spots. Ah, quoique, on me voit bien quand même, mais... pas mis les spots de d'habitude, on va mettre les spots de d'habitude, on va régler ça. Désolé, je suis arrivé un peu à la va-vite. Wit. Yep, voilà. Ça va bien, moi ça va, la journée était longue sans être longue en fait, parce que j'étais en face de ma collègue avec qui on rigolait bien aujourd'hui, donc c'était cool. Et voilà, pour ce soir, je vous dis, on changera pas de programme, c'est sûr et certain. On continue El Darkness, j'allais dire, je vois El Darkness. The Quarry, et on était avec Abby. Objectif, faut sauver Abby. Hein. Quoi qu'il arrive, on sauve Abby, les gars. J'aurais vite fait 2-3 trucs. On va attendre 2-3 minutes, peut-être s'il y a les copains qui arrivent, qui se tapent les pubs et tout. Sachant que les pubs de début, c'est pas moi qui les mets, les copains. Mais ça va, c'était coucou, pas trop dur les journées, tout veut dire. Voilà, tu vois, en disant on attend les copains. Mon petit Prozite, comment ça va, mon petit Prozite? Comment qu'il va? J'ai pas vu de pub. Ah ouais, vous avez pas la pub au début? Ah, mais vous êtes sub? Vous avez pas la pub au tout début? Quand vous venez la première fois sur le stream? Vous avez pas de pub? Alors, c'est peut-être que vous êtes sub du coup. Après, c'est vrai qu'il y a Gortutenial qui a. Oh bah écoutez, tant mieux s'il n'y a pas de pub. Moi, de toute façon, j'ai enlevé les pubs. Hein. Moi, j'ai mis dans mes paramètres que je ne voulais. Je voulais que vous ayez aucune pub. Comme j'ai dit, les gens, je veux qu'ils viennent se détendre et pas se prendre la tête à bouffer des pubs à foison. Quand on bouffe assez bien de pubs partout. Donc moi j'ai enlevé toutes les pubs les copains pour que ce soit mieux pour vous. Sub c'est abo. Ouais c'est ça, c'est abonné, ouais. Un subscriber. Ah ok, non je suis pas sub. Ah ok, non mais je pensais parce que comme Gortutenial il avait offert des subs, j'ai pas vu à qui il en avait offert. Tiens, il en a offert à qui? Je pourrais regarder vite fait, on attend encore un petit peu et puis on lance les copains. J'attends aussi à Singo tout ça qui va l'arriver. Il a offert à Singo, Bob, Luc, Parasite. Si Parasite, toi t'es sub. Et à Lizibeth. Lizibeth, voilà. C'est tout ce que nous avons. Donc oui, en effet, El Darkness, tu n'es pas à beau. Enfin, en tout cas, pas via Gortutenial. T'as le Twitch Prime, donc ça doit être comme si tu es sub pour les pubs, je pense. Ah, je sais pas. Bah moi j'ai Twitch Prime, je me tape des pubs. Moi je suis abonné à Twitch et quand je vais sur des streams où je suis pas abonné, je tape des pubs. Coucou ma petite Méline, comment tu vas ma petite Méline? En ce moment le soir, tu t'endors un petit peu vite. Je trouve qu'on ne te voit plus trop parler dans le chat en fin de soirée. Je rigole bien sûr ma petite Méline. N'empêche, je l'ai grillé direct. Qui t'a grillé direct? Oula. Ça va, je viens de rentrer. Ah bah nickel. Rentrer d'où? T'as encore fait la fête de la musique? Car les streamers activent les pubs, Brock, sur... Ah ouais, peut-être. Je sais quoi, il y en a qui ont... Putain, mais... Quoi ce bordel? Mais t'as plein d'insectes là qui volent partout. Calmez-vous les gars, eh oh. Ah, je me tape plein de petites bestioles là. Je vais aller fermer derrière moi, je pense. En tout cas, moi, sachez que voilà, si vous avez pas de pub, tant mieux. Moi, je les ai désactivés. Normalement, pendant le stream, normalement, vous vous tapez pas de pub ou rien. Oui, je m'endors hyper vite. Ouais, je sais, je suis soporifique. je dis ça pour que les gens se sentent un petit peu mal à l'aise. Ils disent putain, ouais, il le prend comme ça. Alors, je vais essayer de rester éveillé. Alors, je mets des trucs sur les yeux pour rester. Quand même avec toi, sans être sub, j'ai rarement les pubs du début. Ok, non bah tant mieux.
Ah, je dis, ah oui, oui, hier, oui, t'as grillé Tortue Géniale, ouais, hier, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, au début, je pensais Pandix, parce que mon pote Pandix, il aurait tendance à faire ce genre de conneries. Benoît, je pense pas. Mon pote Bebe, je pense, il le mettrait comme ça. Je sais que Bebe, il ferait ça. Mais je pensais pas. Après, Gortu Ténial, j'aurais pas pensé qu'il fasse ça, parce que du fait, il passe de temps en temps, mais c'est peut-être pas celui qu'on voit le plus. Donc, je me suis dit. Que c'est plutôt quelqu'un qui a plus peut-être un lien affect avec moi. Et Pandix, c'était un gars qui avait bossé avec moi à Amazon. Donc du coup, je me suis dit, il y a peut-être un lien plus fort. Non, je suis allé promener le chien une heure. Bah, t'as raison. En plus, le soir, comme ça, ça doit être bien. Il doit bien faire. Il doit faire chaud, mais un peu plus frais quand même. Elle rentre jusqu'à 23h. Du coup, j'étais KO. Pas de soucis, Méline. Pas de soucis. Ah, mais Méline, ouais, Méline, c'est son taf. Le rangement, c'est son taf. Et elle fait ça en plus quand elle est chez elle. T'imagines, c'est comme si moi, j'envoie des colis à Amazon. Je rentre chez moi et je refais des colis pour envoyer à des gens. Je pourrais pas. Imagine Parasite. Il est élagueur. Il rentre chez lui. On lui dit, bah tiens, va tailler la haie, va couper un arbre. D'ailleurs, Eldarkness, tu fais quoi comme travail, Eldarkness? Poulet cosmique aussi. On sait pas, on en sait peu sur vous. Vous êtes très mystérieux. Non, je rigole. Je rigole, les amis. J'attends encore 2-3 minutes et puis on lance. On lance, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je suis content, on est arrivé un peu plus tôt. De commencer un peu plus tôt. Les chiens, c'est mieux. De les sortir quand il fait frais, c'est un enfer sinon pour... Ouais, c'est vrai. J'ai un berger allemand. Vieux, non? Pas la chaleur. Ah, puis en plus, ça leur brûle les coussinets quand c'est en pleine chaleur, non? Parce que déjà, toi, tu marches pieds nus, tu te crames, alors... Je suis le diable. Je convoite ton âme. Ah, mais moi, je veux aller là-bas en bas, moi. Je veux pas aller là-haut avec le mec en robe, hein. Tu peux rien faire. Donc, si tu es le diable, je t'ouvre mes bras, Eldarkness. Aguetuel, hein, chez moi. Aguetuel, les gars. Pas pour rien que j'adore ACDC, hein. Ils portent les cornes. Hein. Je les ai en plus. Quand j'étais au concert, j'ai acheté les cornes. Enfin, mon père m'a offert les cornes avec écrit ACDC dessus. Ah non, je rentre du taf hors de question de continuer. Il me faut le temps pour aller sur le PC quand même. Bah ouais, non, mais c'est pour ça, c'est ce que je disais. Faut bien que tu ranges la maison. Ouais, mais oui, mais tu n'étais pas obligé de le faire tous les jours non plus, Méline. Par contre, ouais, attendez, bougez pas. Je pense que je vais aller fermer là-bas de l'autre côté parce que. J'ai l'impression de me taper plein d'insectes là. Ça arrête pas de voler devant moi. Quoi cet enfer? Vous savez, on dirait les petites mouches d'orage là, tu sais, qui sont un mélange de fourmis et de mouches là. Désolé, ça fait le mec inculte. Bah bougez pas, je reviens. Je reviens tout de suite. Voilà, désolé. Moi je suis allé voir un peu. Mais après, c'est possible que je me tape un orage ce soir. En rentrant sur la route, il y avait bien des gros nuages. Donc voilà, ça va faire du bien. Bon, bah, tout le monde est là. Tout le monde est là. On va continuer du coup. Tant pis, Singos, il est pas là. Tududududu.
Tout le monde est ready, les copains? Tiens, c'était qui me demandait qu'il y avait un mode cinéma? On disait on pouvait regarder le jeu sans faire les choix. C'était ça, mode cinéma. Regardez une sélection de dénouements prédéfinis. Et on était avec Abby. On était avec la petite Abby, les copains. Allez, on essaye de la sauver, hein. Puis il y a peut-être Singo qui arrivera en cours de route. Après, c'est vrai que je commence plus tard d'habitude. On fait quoi maintenant? Bah, je sais pas, on peut se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails, regarder la télé. Non? C'était agacé, arrête ça Emma, curieux. Pourquoi es-tu toujours positive? On pourrait mettre en soi agacé. Parce qu'elle fait la conne et tout ça, puis elle nous a pris pour une conne. Oh, putain, elle est trop belle cette petite Abby. Mais curieux, pourquoi es-tu toujours positive? Tu sais, ça fait la nana. Pourquoi tu gardes toujours le smile? Mais elle va. J'ai peur que Emma nous sorte une truc. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est vrai qu'il y a qu'elle qui garde le côté cool alors qu'il y a plein de drames autour, quoi. Après, c'est peut-être un moyen de cacher sa peur. Je mettrai curieuse quand même. Agace, parce que c'est ce qu'on disait, qu'on voulait rester positif. Le problème, si on met agacé, ça peut mettre une tension. Après, c'est vrai que faut pas oublier qu'Emma restera la salope du jeu. On va pas se mentir. Elle a fait du mal à Abby, elle fait du mal à Jacob, elle emmerde tout le monde, quoi. Elle joue la comédie, c'est bien connu. Ouais, c'est ça. Ben, surtout, je pense, dans ce côté-là, c'est le côté où elle a peur, en fait. Elle a méga peur et elle essaye de cacher ça avec de l'humour et des conneries comme s'il n'y avait rien de ouf, quoi. Allez, on va mettre curieux. Pourquoi t'es toujours aussi positive? Pourquoi tu me poses toujours cette question? Je t'ai interrogée sur ta confiance en toi, pas sur ce que t'essaies de faire là. J'en sais rien, je crois que... J'aime pas trop voir les gens tristes. T'aimes pas voir les gens tristes, mais tu fais du mal à tout le monde. T'es vraiment taré, toi. Amical, oh arrête. Curieuse, est-ce pour ça que tu fais des vidéos? Curieuse, du coup. Elle Darkness, il mettrait curieuse. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que tu fais des vidéos pour... Comme moi, je fais le stream pour faire que les gens se détendent, passent un beau moment. Même si je pense être moins salope que Emma. curieuse, allez. C'est pour ça que tu fais ton truc de vidéo sur le net? Ton truc de vidéo sur le net? Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais, les gens croient que les influenceurs veulent juste de l'attention. Et c'est peut-être vrai, enfin, au début. Mais... Après un temps, tu te dis, c'est quoi la différence entre 4000 likes d'inconnus et 100 000 likes d'inconnus? Mais je fais marrer les gens. Je fais la conne et ils se marrent. Peut-être que je suis vraiment conne. Ah, pour une fois, tu dis un truc vrai. Peut-être que j'aime bien faire rire les gens. Je suis méchant. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, quelle nuit de merde, hein? Oh, ouais. Y a des clippings, hein, ou je sais pas quoi. Vas-y, je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde, une nuit de sa mère la pute. Oh, Abby, s'il te plaît. L'argent qui augmente, on est d'accord. Les marques qui te remarquent et tout ça, quoi. Lâchez-moi. Doucement, maman. Lâchez-moi, vieille sorcière. Je vais exploser la cervelle. Que tout le monde se calme.
Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Attendez. Parce que c'est pareil, j'ai pensé une théorie. Oui, je pense beaucoup au jeu, même quand je suis au travail, les gars. La vieille, on est d'accord, elle est en colère parce que sa petite fille est morte. Le flic, j'ai envie de l'aider, moi. Le flic et Chris, j'ai envie de les aider. Même si Chris, il a contaminé le gamin, en tant qu'humain, il a voulu nous aider. Donc, flic et Chris, il faut... j'ai envie de leur faire confiance. Je vous donne mon opinion. Après, on pourra en débattre avec vous si vous voulez. Mais la vieille, ah, je sais pas. La vieille, j'ai envie de lui faire confiance, mais en même temps, elle est sur les nerfs d'avoir perdu sa petite fille. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il... je sais pas. Parce qu'elle dit, on a essayé de sauver ses mioches. Je retiens cette phrase, moi. Tire sur la vieille, elle fait peur. À mon avis, faut les tuer. Je sais pas. Il faut tuer l'originel, mais peut-être pas tout le monde. Regarde, à ce compte-là, ça veut dire qu'on tue Nick aussi? On tue Max? Tu vois, Nick et Max, du coup, font pas partie de la famille. Alors tu vas me dire, bah, ils ont été mordus, ils sont un peu dans la famille maintenant. Je reste sur la carte avec les deux camps. Je sais pas. C'est vrai que plus ça va aller, plus on va être dans le mal, quoi. Attendez, je regarde un petit peu si on a des trucs. On a eu un nouveau truc là, débloqué. Travis s'est servi de son statut de shérif pour demander sa famille. Hein, pour aider. Pff, je suis fatigué. Pour aider sa famille à couvrir ses traces depuis l'incendie il y a 6 ans. Ok. Ok. Payé pour ça. Pardon, excusez-moi, on va pas remettre tout de suite. Calmos. Qu'est-ce qu'on a là? Laura a volé la voiture de police pour s'enfuir et l'a précipitée dans le lac. Elle a dû laisser les clés sur l'île avec Max. Ok. Je regarde s'il y a des trucs qui peuvent vraiment nous aider, les copains. Laura et Max ont été enlevés par Travis. Je regardais, il y avait un truc. Et Chris a essayé de le couvrir en cachant qu'il ne s'était pas. Par Travis et Chris a essayé de le couvrir. Ah! Et Chris a essayé de le couvrir en cachant qu'il ne s'était pas présenté au camp. Ok. Ce dessin correspond à la lettre trouvée au feu de camp. Les enfants imaginent des choses les plus horribles. Ok. Je garderai juste le flic, je pense, pour l'instant. Parce que... Antoine, il avait besoin de nous. Ouais, t'as l'impression qu'il avait envie de... Abby a donné son bracelet à Laura. Pour en faire une balle d'argent. Ok. Laura et Ryan ont entendu la plus grande partie de la conversation entre Travis et Constance. Constance, ok, c'est Constance, elle. Ok. Et c'était quoi qu'on avait eu? C'était ça.
Ah, on voit une photo. On peut pas revoir la vision. Attends, c'est cool ça, on peut revoir les visions. Alors ça c'est un point qui est bon ça. C'était quoi ça? On voit mieux en plus là. Ok. Ça on avait vu. Attends, c'est qui mute? C'est Laura, non, qui est en train de muter là? C'est Laura qui mute. Regardez, on dirait Laura. On voit le manteau en cuir. T'as fait Yama. Putain, à chaque fois je. Ah, par contre, c'est mieux, on les voit mieux là, les trucs. Hein. Ben, moi je vois un manteau en cuir. Regarde la même sur elle, là, vite fait. Je peux pas le mettre sur pause, le bordel? Non, je peux pas. Elle meurt derrière. Elle meurt derrière. C'est Laura qui mute. Regarde bien au début. Je vais le remettre. Regarde bien. On voit le perfecto et la tête blonde. On voit même le débardeur. C'est qui se fait arracher la gueule au sol? C'est Ryan? Ouais, c'est Ryan. Moi, je vois clairement Laura. Alors, attention. Ça veut dire qu'il faudra pas que Laura se transforme. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est chaud, mais c'est trop bien. Moi, je vois ça. C'est clairement Laura. Hein. Putain, le truc, c'est que où ça va me casser les couilles, c'est que ça se trouve, il va falloir que je fasse un choix. Est-ce que je tue Laura? Et on sauve la famille? Oh putain, l'enfer. Peut-être elle nous manipule avec ses visions. Ouais, mais jusqu'à maintenant, ça nous a servi. On va voir, dans tous les cas, ça nous reproposera si on a fait une connerie, je pense. Allez, on va faire le truc. Kegli, lâche-moi tout de suite. Oh merde. Je pense qu'on a bien fait. Arrêtez tous. Constance. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Réveille-toi. Allez. Chérie, allez. Debout. Debout. Allez. Oh. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Oh. Mais elle m'aurait peut-être buté. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Oh le bâtard! J'ai pas trouvé un autre étui. Ah, dans les côtes comme ça et tout. Ah, sale. Le mec sans pression, il s'installe là comme ça. En vrai, j'aurais du mal à respirer. Et déjà, on a évité qu'elle se transforme et qu'elle tue Travis et tout. Hein. Merde. Merde.
Adrénaline, ouais. Ouais, même sur le moment. Dans les cordes comme ça. Ouais, t'as du mal à respirer et tout, de ouf, okay. Non ? Ok, j'aime pas ça. Oh, t'as quand même le poumon, là. Ah, putain. Si on retire le couteau, c'est hémorragie. En vrai, si tu retires le couteau, c'est pas bon. Hémorragie, tu fais toute la merde, là. Faut le garder, oui, je pense. Dans la vraie vie, on le laisserait. Enfin, en tout cas, si t'es pas médecin, tu laisses. On est d'accord sur ça, les copains. Enfin, moi, on m'a toujours appris ça. On m'a toujours appris, si t'as un couteau planté quelque part, surtout, tu ne le retires pas. T'attends que quelqu'un, ou un toubib arrive à retirer le truc. Mais si tu le retires toi-même, on m'a dit, tu peux... Déjà, t'as coupé en rentrant. En ressortant, tu peux recouper d'autres trucs. Et on m'a dit, si jamais le couteau, il est rentré sur une veine, bah, du coup, ça bouge, donc ça évite qu'il y ait une hémorragie. Enfin, qu'il y ait une grosse hémorragie. Dans tous les cas, ça pissera un peu le sang, mais... Que si tu retires tout, bah, t'as toutes les veines qui vont dans tous les sens, et... Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, un garrot facilement. Un garrot ici, comment tu veux faire un garrot sur les côtes, vieux ? Bah, moi, je sais pas comment tu fais un garrot sur les côtes, hein. Attention qu'un garrot, attention, ce qu'on appelle un garrot, c'est ça, hein, c'est vraiment que tu coupes la circulation du sang. Là, tu veux la couper comment? Le long du corps, pas le choix. Ah, mais attends, il faut qu'il se serre la cage thoracique de malade. Ouais, on va voir, on va le laisser, vous avez raison. Parce que je pense que le premier réflexe que n'importe qui aurait fait, c'est le retirer. On va le laisser. Non, je ferai pas ça. Après, ça peut être à double tranchant. Ça veut dire que quelqu'un peut nous l'enfoncer encore plus. Je sais pas. On verra bien. On verra bien. De toute façon, mon instinct me disait de le laisser. Enfin, en vrai, je le laisserai. Donc. Lettre de Kylie. Lettre d'aveu de Kylie Hackett adressée à sa grand-mère. On peut pas lire ? À moins qu'il va la lire ? J'aurais aimé pouvoir lire en fait la lettre. On peut vraiment pas la lire ? Désolé, je recherche un peu les gars. Yann, pareil, Yann, c'est qui ? On sait toujours pas. Attends, c'est coucou, dans quoi ? Petite perruche. Ah, preuve, c'est dans preuve. Yo, mon Singo, comment ça va, mon petit Singo ? Bon, t'as raté une putain de scène, Singo. Tu as raté une putain de scène. Non, on peut pas la lire. Lettre d'aveu de Kylie adressée à sa grand-mère. On verra peut-être plus tard. Bon, bah, replay alors. Ouais, on a éclaté la gueule de la vieille. On avait le fusil comme ça, elle nous le tenait, tu vois. On était là à lutter. On a dit, on lâche rien. On a vu. Par contre, c'est cool, on a remarqué qu'on pouvait revoir les visions des cartes en mieux. Et on s'est fié à ça. Mon petit Singo. À ça, tu vois. On les voit mieux là. Et on a vu que c'est Laura qui mutait. Et j'ai l'impression qu'on a évité cette scène. J'ai l'impression. Donc, et du coup, la vieille, elle forçait avec nous. Moi, j'ai martelé ma touche. Et d'un coup, il y a un coup de fusée qui est parti dans sa gueule. Elle avait la gueule éclataxe, un œil qui était limite en train de pendre.
Mais ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est pratique de ouf. Et là, on a un chasseur qui a planté un couteau dans la côte de Ryan. Là, il a un couteau, là, on le voit un peu là. Il a un couteau dans les côtes. Ça nous a proposé de le retirer. On a dit non. Ah, la mort. On a voulu laisser le couteau. Parce que je me suis dit, sinon ça va faire hémorragie. La mort a bien des visages. Elle peut indiquer le changement, la transition, la transformation. Elle est souvent interprétée comme une balise pour l'optimiste. Dans votre cas, elle signifie tout simplement la mort. Ça pue que ce qu'on va demander à voir ça chez la vieille. Hein. Putain, il y a trop de portes, les gars. Tout ça pour ça? Non, franchement? Il y a une porte là, j'y vais pas tout de suite, je fouille. Oh! Un étron! Putain, les troncs qu'il y avait, quoi. On se fait quelle porte, les gars? Je sais pas, j'ai envie de voir celle-là. C'est la vieille. Ça pue, ça. Notre porte derrière. Oh, il me fait mal avec son couteau sur les côtes là. Comme on est fermé partout. Le placard, les gars, le placard. Se cacher, on est d'accord. On avait le placard. On a ouvert, il y avait rien dans le placard. On met se cacher, bloquer la porte. Parce que là, de toute façon, il va bloquer la porte. On est blessé, on est foutu de toute façon si on se bat. Le mec, il a juste à prendre le couteau. Ah, hey, peut-être, attends. Si on la joue, film américain, le mec va nous choper. Tu vois, nous, on va prendre le couteau dans nos côtes là. Fap, on va le retirer. On va le poignarder. au placard, le Ryan. Cache-toi, ok. Allez. Ah, il y a le saut de merde. Ah, putain. Est-ce que c'était pas un indice, le saut de merde, qui couvre notre odeur? Truc tout con, hein. Mais... Je sais pas. Après, sous le lit. Dans les films, il court pas mal avant, c'est vrai. Placard trop basique comme cachette, c'est ce que je pensais. La merde cache l'odeur, c'est des chasseurs. Je sais pas. Ouais, le sang. Ah putain. Le placard, il fait trop crédit. Après, ce que j'ai peur, c'est que si on choisit. Après, on peut imaginer tellement de scénarios en fait. Par exemple, là, j'avais un scénario, on va mettre sous le lit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de shooter dans le seau. Du coup, ça va faire du bruit. Mais le placard semble trop évident. On n'a pas une vision qui nous montre un truc là? Non, ça ne montre rien. Ah bah tiens.
Laura a tiré dans la tête de Constance. Quelle circonstance. Ryan a choisi de ne pas retirer le couteau de sa plaie. Ah putain, je suis hésitant là. Perso à sa place avec le couteau, je cherchais à plier en deux, ouais. Donc là, combien il y en a, combien pour le lit, combien pour le placard? Moi comme ça. Instinctivement, je mettrais. Je mettrais sous le lit. Je sais pas. Placard. Lit. Lit. Mettre lit. Après, il y a tout qui se rejoint aussi. El Darkness, sa réflexion n'est pas con. Il a du mal à se plier en deux. Après, tu me diras, le mec, il marche deux. Il arrive à bien marcher comme ça, à faire tous ces trucs-là avec un couteau dans le bide. Moi, personnellement, déjà, j'ai le couteau dans le bide. Rien que de le regarder, je suis déjà dans les vapes, moi. Je vais le faire. Ah. Ah, lit. Il y a deux lits, un placard, trois lits si on compte le mien. On tente lit. Oh, j'ai peur. Dans tous les cas, ça nous proposera de le sauver, mais on tente lit. Allez, on tente le lit. J'ai envie de voir ce qu'il va faire avec ce saut de merde. J'ai envie de me faire confiance. Après, t'as peut-être raison, El Darkness, pour le côté où il va se plier. Après, j'espère qu'il se cache bien aussi, hein. Oh, il m'angoisse. Vraiment pire move, frérot. Je suis là, j'attends. Terminé. Ah ouais, le placard, j'aurais pas pu sortir. Le placard, j'aurais pas pu sortir vu qu'il bloquait le placard. Enfoiré! C'est toi l'enfoiré! Mais c'est John Cena! Pardon. Rien que voir du sang, je tombe. Au QTE, ça. Ça, vous êtes toujours pris dedans, les copains? Ah, putain, se cacher? On fait se cacher? Moi, si de fou. Moi, par exemple, une prise de sang, je peux pas regarder. Même de savoir comment on fait une, ça me met pas bien. Jusqu'à maintenant, se cacher, ça nous a bien servi, hein. Le vieux est en rogne, ouais, mais justement, si on court partout, forcément, au bout d'un moment, se cacher, je sais pas. Moi, j'aurais mis se cacher. Mon instinct m'aurait dit se cacher. Jusqu'à maintenant, se cacher, ça nous a jamais fait du tort, hein. Avec le couteau, tu vas t'épuiser. Si tu cours. Ouais, mais elle a pas de couteau. C'est elle, hein, qui va se cacher là, Méline. Méline, tu suis pas Méline. C'est Ryan qui a le couteau. elle va bien. Hein, tu vas bien. Oh oui, je vais très bien. Oui, je vais très bien.
Hop, hop. Je suis plus... On va se cacher. J'ai envie de faire confiance à mon instinct. Là, on va devoir tenir la touche. Jesus. Je t'entends respirer, ma petite. C'est faux. Tu veux m'intimider. Ça ne marche pas. Elle va rentrer dans Ryan et paf, elle va lui enfoncer le couteau. Ok, on a le temps. On a le time. T'as raison, fait. Le piège à con. On joue pas, les gars. Ça va faire du bruit. On est d'accord. En vrai. Ça va attirer tout le monde. Tu fuis quelqu'un, en général, tu fais pas de bruit ailleurs. Joue pas, il va te trouver, c'est ce que je pense, ouais. Ouais, c'est trop... Après, ça pouvait peut-être me donner un indice, tu vois, mais... Ah, oh, ça sent le piège à con, ça. Il y a des ours dans le coin. Alors, les traces des exploits de chasse des Hackettes. Ils auraient pu masquer les traces de balles et de blessures. Elles sont peut-être là pour rappeler que ces animaux sont bel et bien morts. J'avais envie de jouer, hein, mais... Troll le jeu là quand même. De quoi? Pourquoi troll le jeu? Ah, il troll le jeu, tu veux dire? À quel moment tu joues du piano? Bah c'est ça, et puis c'est surtout quand t'as quelqu'un qui te course au cul, quoi. Enfin, moi personnellement, si je veux, tu te caches dans la scène d'avant. Pourquoi tu ferais un vacarme après, tu sais? Le coup de la cachette, c'était bon? Ouais, on s'est caché, il nous a pas vu. On a cru qu'il allait nous voir parce qu'il a dit « Je t'entends respirer ». Coucou, petite perruche. Attends, parce que là, il y a là et il y a là-bas. Pièce fermée. Ok, pièce fermée. C'est rien, c'est pas un truc, attends, mais... Ah, merci. Ces cages électrifiées devraient pouvoir contenir Chris, Caleb et Kylie lors de la pleine lune, pendant les vacances d'été. J'ai choisi la livraison prioritaire, elle devrait donc là avant l'arrivée des enfants. Nous devons à tout prix éviter d'autres incidents. Vous voyez, il y a quand même le côté où ils veulent pas faire du mal, quoi. Après les vacances, inutile de les renfermer, ils pourront peut-être nous aider à trouver le loup blanc. En flairant son odeur, par exemple. C'est sans danger tant qu'ils utilisent le sang. C'est sans danger tant qu'on utilise le sang. Je suis content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. Coucou, petite perruche. Bah pourquoi j'ai pas eu les...
Coucou petite perruche. Coucou petite perruche. Oula 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 oula. Coucou petite perruche. J'aimerais bien que tu restes. Coucou petite perruche. Voilà les copains. Ça en fait bien du monde ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, y'a pas eu le son là? Coucou petite perruche. Ah. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Bah merci à tous, merci du raid, merci des follow, attendez, oula, calmez-vous, putain je peux même pas sortir de mon truc. Merci. Attendez, je remonte un peu là, qu'est-ce qui se passe? Je suis content que tu sois venu chez nous. Déjà y'a mon petit Luc qui est arrivé. Et bonjour mon petit Luc, bonsoir mon petit Luc, merci pour le raid Narcotino. Merci de ton raid, même à tous ses copains. J'aimerais bien que tu restes. Aigle aux yeux, Maëlys, Manon. Chocapic. J'essaye de vous lire les copains. Hein. J'aimerais bien que tu restes. Merci, mais merci pour ce soutien fort incroyable les copains. Vous régalez ce soir. Coucou petite perruche. C'est incroyable. Moonlight, merci. Je suis content que tu sois venu chez calmez-vous. J'aimerais bien que tu restes. Ouais, il y a mon indien qui aimerait bien que vous restiez. Foufoule. Oh Foufoule. Merci les copains. Merci pour le raid. Merci de votre soutien fort incroyable. Merci pour les follow également. Désolé, je prends tout en cours là parce que j'étais tellement concentré dans mon truc parce que j'ai l'objectif de sauver tout le monde. Merci à Manon, merci Chocapic, Narcotino, Maëlys pour les follow, Aigle aux yeux, Moonlight, Quentin, je pense, Quentin, merci. Merci les copains. Comment que ça va? Vous étiez sur comment ça s'appelle? The Quarry aussi? Salut, vous êtes nombreux. Ouais, en effet, ouais. Mais c'est surtout que j'ai pas eu l'alerte directe, donc moi j'ai tout capopé d'un coup. Quoi, c'est pas Aigle aux yeux, excuse-moi, c'est... Si? Moi, je lis comme ça. C'est pas ça? Comment tu dis? Excusez-moi, moi, je suis bon Frenchy, moi. Au plaisir. Oui, foufou, là. Moi, je vois foufou, là. Comment ça va, les copains? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se dit comment? Dites-moi comment ça se dit, je règle le truc. Apparemment, j'ai fait une faute. Je sais pas, moi, je lis aigle aux yeux. Aigle soyeux. Ah ouais, putain, ouais, bien vu. Autant pour moi, l'ami. Autant pour moi, là tu dois te dire qu'est-ce qu'il pourrait dire? Là il pourrait penser ça. Quel trou du cul. J'aimerais bien que tu restes. Aigle soyeux, pardon, aigle soyeux, excuse-moi, c'est vrai que aigle aux yeux. Quoique ça sonne bien aussi. Quand c'est moi qui le dis, ça sonne bien, non? Merci en tout cas les copains. Brock, un pro-gamer, mais des fois, il sait pas lire. Bah, excuse-moi, je rentre du boulot à 22h, j'ai plus les yeux en face des trous. Déjà, je suis stressé d'essayer de sauver tout le monde sur ce putain de jeu. N'excuse pas, il pue avec les yeux, mais non. Mais ça fait zizir, merci de votre soutien, les copains. Merci à Foufoule de ton follow. Foufoule, j'aime bien son pseudo, il me fait bader. Tu fais tuer Ryan, je serai colère. Personne n'est mort. Pour l'instant, personne n'est mort. Moi, celle que je veux sauver, c'est Abby. Abby, c'est ma petite protégée. C'est celle que je préfère. Elle est trop jolie, elle est toute mimi, elle demande rien, elle en prend plein la gueule. Je veux sauver Abby. Dans tous les cas, c'est Abby qu'il faut sauver. Et Emma, ouais, bah Emma, c'est obligé. Team Ryan, si. Mais vous avez dit Ryan. Ryan. Mais en tout cas, aigle soyeux, désolé. Abby, ah Abby, ouais, Abby, c'est la meilleure Abby. Ryan et Emma. Emma? Comment on peut aimer Emma? Emma, je ne l'aime pas du tout, moi. Je veux la sauver, bien sûr, mais Emma, c'est meurt. Emma, c'est ma préférée. Non, mais c'est vrai. Emma, l'autre, déjà, elle dit que... Comment elle s'appelle? Abby, c'est sa pote. Elle lui fait un coup de pute. Et après, l'autre, il y a Jacob qui lui dit ses sentiments. L'autre, elle en rajoute une couche. Moi, Emma, j'ai envie de l'étrangler. On va la sauver parce qu'on est gentil, mais...
vas-y, ah, là, ça y est, slash parasite. Mon petit parasite, il slash. une chalope, Emma. Il fait son beauf. Oh putain. Une fille pas difficile, bah ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est pas difficile, oui. Mais après, on a le droit, je respecte. Après, on a le droit d'apprécier les persos qu'on veut. Moi, c'est Abby. Moi, personnellement, c'est Abby. Abby, c'est ma petite protégée, quoi. Donc, oui, on essaye de prendre des preuves, là. Et moi, en fait, j'ai envie de faire confiance à tout le monde. Faut le savoir. Attends, je relis ça. C'est quoi, déjà? C'est ça, parce que moi, j'essaye de mettre un maximum de trucs. Après les vacances, inutile de les enfermer. Ils pourront peut-être nous aider à trouver le loup blanc. Donc tu vois, eux ils sont bien là. En flairant son odeur. C'est sans danger tant qu'on utilise le sang. Mais le sang de qui? C'est ça moi qui m'interpelle. On a vu Jacob, il a été saigné. Tu vois, c'est ce que je vous disais. Les mots qu'il dit au début, saigne-les. Ah bah j'espère quand même. Oh bah ça va Luc, tant mieux. Le sang des loups. Ouais. Bah ouais, bah c'est... Pourquoi il y aurait un sang... Ouais, leur propre sang en fait, ça les éloigne. Bon allez, je vais me coucher, bonne soirée tout le monde. Bah merci à toi, Foufoule. Oh Foufoule. Ça se dit avec mon accent, tu vois. Parce qu'il faut savoir, je viens du sud, donc c'est Foufoule. Oh Foufoule. Bah, bonne nuit Foufoule. Bonne nuit à toi, passe une bonne nuit, prends soin de toi, merci de ton soutien fort incroyable, merci à vous de votre soutien fort incroyable les copains sur cette chaîne, cette petite chaîne qui est la mienne. Merci à, encore une fois quand même à Narco, attends je vais bien prononcer parce que sinon je vais me faire incendier, Narcotino, j'espère que je le prononce bien, de m'avoir raid, d'avoir fait découvrir ma petite chaîne à tes viewers, à ta communauté, donc merci à toi, encore une fois. Et merci beaucoup, j'aime beaucoup comment tu le dis. Ah bah Foufoule, oh Foufoule. Et oui, de base je suis du sud, hein. pas de Marseille même, mais j'ai habité à Toulon et à Cavaillon. Mais Foufoule, oh ouais Foufoule, ça sonne trop bien. Oh Foufoule. Bon, on va continuer les gars un petit peu. On va essayer de continuer à sauver tout le monde. Oh, c'est quoi ça? C'est la lignée. Coucou ouais. Petite perruche. On a trouvé la lignée les copains. Yo mon petit atomique. Comment tu vas mon petit atomique? Merci Narco de ton raid. Et coucou mon cher Ragbrok. Comment ça, mon petit atomique? Pourquoi c'est toi qui as suggéré, atomique? C'est peut-être le cas. Comment qui va, mon petit atomique? Laura, putain, comment elle m'énerve, elle aussi. Ah, je sais pas, elle a un truc de badass, Laura, quand même. Laura Snake, on l'a appelée Laura Snake parce qu'elle avait son cache-œil, là. Non, non, ok, non, pas de soucis. Et comment tu vas, mon petit atomique? T'étais en live aussi? Ça va très bien. Moi ça va très bien. Rentrée du taf, journée entre longue et pas trop longue, donc ça va. Je suis pas chiant moi. Et puis là on continue, c'est quoi? Il est trop bien ce jeu, il est trop bien. Emma, Ryan et Caitlyn, c'est mes préférés. Ok, pas de soucis. Moi je dirais Abby. Abby c'est vraiment... Moi c'est Abby Jacob. Parce que je me retrouve un Jacob avec ses blagues salaces, j'aime bien. Ouais, j'aime bien les blagues salaces, moi. Et le côté, il veut faire le cador, mais en fait, il est... Comment dire, tu vois qu'il a... Il a des sentiments, enfin, il peut être facilement... Je sais pas comment dire ça.
Il veut faire le cador, mais il est peut-être un peu fragile, tu vois. Enfin, je le vois comme ça, moi. Tu as regardé l'actrice après? Non, j'ai pas regardé, c'est vrai. C'était comment? Ariel Winter, je sais plus. Parce que oui, je disais que je trouvais très jolie l'actrice qui fait... Enfin, le personnage de Abby, et je me demandais comment était l'actrice qui l'avait doublée. Putain, mais Abby, Laura et Jacob, ceux que je déteste le plus, mon Dieu, mais pas de soucis. Abby, non, Abby. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Ryan. Moi, Ryan, je trouve fade. C'est, je le trouve fade. Et Emma, oh, pff, laisse tomber, Emma. Emma, Emma, c'est quoi? Comment je pourrais dire ça? Emma, c'est quoi? Un plaisir de bite? Emma, c'est un petit plaisir de bite. Non, je suis méchant. On va se calmer. Ok. Donc là, la famille Hackett s'est implantée ici depuis longtemps. Leur arbre est profondément enraciné dans la région. Ah ben. Ok. Ah oui. On n'a pas joué du piano, c'est vrai, on n'a pas joué du piano. Hein. Oh putain, ça pue. La salle pue qu'il va y avoir une scène. Oh, le soleil. Le soleil, la vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous éveiller après une nuit à laquelle vous aurez survécu. Vos choix, vos actions, votre vie même est en jeu. C'est à vous de trouver votre voie dans les ténèbres pour voir à nouveau le soleil se lever. Oh oui. Qu'est-ce que ça dit après? Peut-être qu'on aime les blagues et puis c'est tout. Bah t'as le droit. Ah, pour une fois qu'il meurt pas au début. C'est la commune narco. C'est quoi? Un soutien pour le streamer? Allez, m'en vais, bonne soirée. Bon live, soyez sages. Merci encore à toi, Narcotino. Merci à toi de ton soutien fort incroyable. Merci à toi de ton follow et puis d'avoir permis à ta commu, du coup, de me découvrir, de découvrir ma petite chaîne. Comme j'ai dit ici, les copains, moi, c'est ma devise, c'est les problèmes, on les laisse dehors. Ici, on est là pour s'amuser. On parle de tout, on rigole de tout, je mets de bride à personne. La censure, il y en a bien assez dehors. Du moment que ça se respecte entre nous et qu'il n'y ait pas de mauvaise vibe, moi c'est good vibe avant tout, je rentre du boulot, je suis là pour m'amuser, que les gens qui ont passé une mauvaise journée ou une bonne journée viennent se détendre ici et s'amuser avec nous, donc c'est un peu la devise de ma chaîne, j'ai envie d'un lieu où les gens peuvent dire, on se retrouve et on sait qu'on n'a pas de censure, on peut parler de tout et n'importe quoi, j'ai pas de sujet tabou, je suis très ouvert d'esprit. Mais en tout cas, merci encore à toi Narcotino, pour ton soutien qui est énorme, donc merci encore à toi. Passe une bonne nuit. Prends soin de toi. Ma devise, c'est vivez à fond les manettes, les gars. Et puis, bah, peut-être à la prochaine. J'essaierai de passer quand même sur ton live. J'aime bien rendre en retour également. Donc, et je tiens parole. Je tiens parole. En général, je passe. Donc voilà. Donc, merci encore à toi. Et à ta commu également. Merci à vous tous, hein, les copains. Pour votre soutien fort incroyable, comme je le dis chaque soir. Elle est légèrement superficielle. Attends, de qui on parlait légèrement superficielle? Le soleil est une très bonne carte. Difficilement de mauvaise augure. Oui, c'est vrai. Bah là, il dit, ouais, vous pourrez encore vous éveiller après une nuit. Ouais, bah après, si on les sauve tous, forcément. C'est à vous de trouver la voie dans les ténèbres pour voir à nouveau le soleil se lever. Emma, ok. Ça parlait d'Emma, ok. Regarde pas l'empereur et l'impératrice. Savent pas trop pour l'histoire. J'ai pas regardé celle-là. On a regardé laquelle avant? C'était... on avait regardé celle-là, nous. On avait regardé ça. Et on a évité de faire ça, justement. On a évité ça. Bon, allez. On se continue. Après, attention, hein, les gars. Moi, je suis quelqu'un... Je fouille tout. Je prends tout. Qu'est-ce qu'elle va voir par la fenêtre, là?
Oh. C'est qui là? C'est Géraldine. Attends, il y a Géraldine à la fenêtre. Elle est partie, Géraldine. Ah, c'est pas moi qui joue là. Attention. Elle est transformée. Coucou, ma belle. Ça va me proposer de lui arracher la tête. On a fini de jouer maintenant, ma petite. C'est toujours enfoiré. Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Attends. J'ai envie de leur faire confiance depuis le début à eux. Hein. On va le faire. Défonce-le. Arrache-lui la gueule. La jugulaire. C'est Laura là que tu joues? Ouais, c'est Laura. Là, on est en mode loup. Combat de loup, du coup. Je mettrai courir parce que j'avais pas vu comment elle a morflé. Oh, elle a baisé toute la nuit, elle a levé les yeux. Pardon, excusez-moi. Après, attention, je veux pas de spoil, hein, les gars. Est-ce que t'as libéré Jacob dans la cage? Yep, j'ai libéré Jacob. Zéro pitié, tue-le. Ouais. Mais ouais, non. Après, voilà, je vais éviter le spoil, hein, les gars. Par contre, si vous avez fini le jeu, je vais faire mes propres choix. Même si je merde, c'est pas grave. Je vais essayer d'en sauver le maximum. Mais si malheureusement je peux pas, au moins j'aurais fait mon histoire, quoi. C'est juste ça. Mais oui, on a sauvé Jacob. Tu es pressé par le temps, pas le choix. Moi, je mettrais courir. Sinon, avec des Schwalz, il serait mort, je crois. Ah, ok. Non, ouais, en général, on a fait tous les trucs pour les mettre bien. Pour l'instant, en tout cas, on a fait. Ils sont là pour l'instant, on n'a aucun qui est mort. On a eu un truc où on avait bugué l'autre coup, où ça a tué Nick et on a rectifié le tir, mais c'est tout, quoi. Et là, il a la rage, il va pas te lâcher, je pense. Ouais, on court, hein, du coup. Je mettrai courir parce que il veut nous saigner là, il veut nous saigner ce bâtard. Mais je suis sûr que ça va m'enlever le truc où j'ai envie de leur faire confiance. Vous allez dire mais t'es taré, le mec il veut te tuer, tu veux lui faire confiance. Je sais pas, on va courir, je vais mettre courir. Je le tuerai moi, ouais, mais est-ce que de courir justement tu montres que tu t'acharnes pas sur lui? Il t'a tiré dessus, hein? Ouais, mais avec un péteux. Et en plus, il a tiré dans le bras, il aurait pu me tirer dans la gueule. Après, son couteau, là, je sais même pas s'il est en argent. Non, je cours, les gars. Je cours. Donne ta position. Où es-tu? Tout le monde s'arrête! Ça suffit comme ça! Tu l'as. Fais-lui sauter la cervelle. Tu sais ce qu'elle a fait à Kaylee.
En plus d'avoir tué ta mère. Attends ! Travis ? Travis, je te fais confiance, tu fais pas le con, hein. Ça va être tout sauf agréable pour toi, tu peux me croire sur parole. Putain, ils me stressent tous avec leur choix à la con, là. Merde, désolé, les FPS vont arriver. C'est le temps à chaque fois qu'il y a une transition de scène. Ah non, tu vas pas me refaire le même coup que l'autre coup, hein. Sinon on relance le jeu. Hein. Oh, ça va partir sur de l'américain là. John Cena, attention. Bah, tu passes pas toi frérot. Si déjà lui il a du mal. Moi personnellement là, cette phase là, j'aurais pas respiré mais j'aurais pété un bon coup. Allez, allez, mon vieux. Il faut que tu m'aides. Ah bon ? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Mauvais choix. Mauvais bail. Mauvais bail. Poignardé, on est déjà mal en point. Déjà, si on le poignarde, on enlève notre couteau. Donc déjà, on se met plus dans le mal et puis... Si lui c'est déjà une bestiole, qu'est-ce que tu veux lui faire quoi? C'est la merde. C'est la merde. Le mec se balade avec un couteau dans le corps au calme. Bah ouais, bah attends. Ouais. Tue-le. Ouais, tue-le tout de suite. Je pense qu'il fera rien. Le vieux a rien fait au final. Ouais, c'est ça. Moi, lui il nous a aidé depuis le début. Et puis Ryan n'a rien fait. Ryan, en soi, il a pas buté la vieille ou quoi, il a rien fait, lui. Il est juste blessé. Quoi, tu me diras, c'est quand même John Cena qui lui a mis le couteau comme s'il le rangeait dans son étui, quoi. C'est... Allez, tiens, hop, allez. Il est pas transformé, c'est pas un garou. Ah, possible. T'as juste planté, hein. Ouais. Après, il voulait peut-être ranger son couteau, tu vois. Il avait pas l'étui sur lui, il cherchait. Bon, bah, attends, là, ça tient, hop. En plus, coup de bol, je vais partir, mon couteau va me suivre, tu vois. C'est un mec du Bayou, c'est amical. Oh bah oui, un mec du Bayou, comme hier. Moi, mon instinct me dirait ne le poignarde pas, parce que déjà on est blessé. D'enlever le couteau, ça va nous rendre plus affaiblis. Pour faire quoi? Aller peut-être lui mettre un coup dans le bras et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut nous soulever, il nous tord le cou, quoi. Moi, j'enlève pas le couteau, les gars. Est-ce que vous enlevez le couteau ou pas? Moi, j'enlève pas. Je poignarde pas. Après, ça se trouve, il va nous choper, prendre le couteau et il va l'enfoncer carrément, tu vois. Je sais pas. Non, moi, je poignarde pas. Allez. T'as pris mon couteau. Ah mais c'est toi qui l'as rangé là, frérot. Nora. Oh non, t'es mordu. Choisis un adversaire à ta taille. Travis. Nora.
Ah, on lui a donné son couteau. Oh, doucement. À la fin. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh. Oh, tu sais, la routine habituelle. Oh, oh Ryan. Ah, putain, les gars. Il va y avoir le choix de la carte. Est-ce qu'on va boire le sang pour se transformer, pour nous sauver? Est-ce qu'il va pas y avoir ce choix de la carte? Tu sais, il y avait une carte où c'était tu bois le sang pour sauver. Attends, elle est où? Celle-là. L'amoureux, il y a dans le désaccord une certaine harmonie mise en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient du cœur et se sent... Et on en sent presque le goût. Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. Je suis loin d'être con, les gars. Je suis loin d'être con, putain. Ah, scénariste. Demain, je vous crée un film, les gars. Film original, vous allez voir. By Rack Brock et tout. On va faire un carton. Ryan Eternel. Je pense. Là, j'ai mis sur pause comme ça. Je pense qu'il va y avoir ce choix-là. Alors, est-ce que. Elle donne son sang pour sauver Ryan? Ou est-ce que Ryan peut survivre autrement? Oh putain! Choix de merde! Parce que ça se trouve, on peut laisser et il peut revenir autrement. Tu vois, je vois une connerie, par exemple, on va croire qu'il est mort. Alors, il va tomber dans les vapes si on le laisse. Et finalement, il y aura quelqu'un qui l'aura sauvé entre-temps. Et tu vois une Caitlyn qui arrive, hop, elle lui aura fait un petit bandage entre-temps, on l'aura pas vu, et lui, il est sauvé, machin. Ou est-ce qu'on laisse Laura nous donner son sang pour se transformer et guérir nos blessures au risque d'être transformé? Putain, il y a tellement de combinaisons possibles, les gars. Putain, je suis trop fort, excusez-moi. Je peux me jeter quelques fleurs un petit peu, là. Aïe, aïe, aïe. Immortels n'ont une balle en argent et ils dorment pour toujours. Oui, mais là, ils vivraient pour le coup. Si c'est pas le choix, je pense. On le transforme dans tous les cas, faudrait tuer le garçon principal. Et donc, c'est vrai, redevenir normal. Elle est au chalet, je crois, donc loin de la maison, des raquettes. Oui, mais après, je veux dire, il peut y avoir des trucs entre-temps, tu vois. Ils peuvent se croiser entre-temps sans qu'on ait vu ou quoi. Attention, hein, pas de spoil. Attention. Le melon, ouais, t'as vu un peu le melon que je chope, hein? Là, vous vous dites, mais... Quel trou du cul. Mais, ouais. Du coup, on verra ce que ça dit. C'est grave. Je suis désolée. Tu vas mourir bêtement. Si grave que ça. Frérot, t'avais un couteau dans le ventre, tu demandes si c'est... J'arrête pas d'essayer de régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant toi. C'est vrai que... c'est vrai que t'es mauvaise. Hein. Bienveillant, ce n'est pas ta faute. En vrai, c'est vrai, ce n'est pas sa faute. Elle est arrivée là, elle s'est fait prendre pour... Un peu pour une conne, quoi. Bienveillant, on est d'accord, mais bienveillant. Hein. Je suis la carte, ouais. Moqueur pour la blague? Est-ce qu'il a vraiment envie de rire, là? T'auras envie de rire, là? Moi, parce que si tu rigoles, tu fais... C'est... Là, il va faire, c'est vrai... Je suis sûr... Ah, on va voir. Est-ce que je suis bon? Il va faire, c'est vrai que... oh, ça fait mal. Tu sais, ils font souvent ça dans les films. Ils commencent à faire une blague, après ils disent... Ah, putain, j'ai la blessure quand même. Ryan, c'est un rigolo, il rigole toujours. Ah oh, bah oui, bah ça se voit, regarde. Ah oh, bah oui, il respire le bonheur. Il est prêt à clamser, il fait sa dernière vanne. Vous voulez qu'on le fasse blagueur? Allez, on le fait blagueur, du coup. Vas-y. Enfin, je voulais pas te le dire, mais...
T'aurais pas dû m'accompagner. Sandek. Désolé. Ah bah. Oh bah il est drôle, Ryan. Oh bah. Oh merci, Ryan. Merci, Ryan. T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça. Ça va guérir, hein. Merci de le rassurer. Merci à toi aussi, Théo. Le jour où je meurs, je vous appelle pas, les gars. Peut-être. Peut-être que oui. Quoi ? Ryan. Si tu me laisses te mordre. Quoi ? Si tu me laisses te mordre, ça veut dire que tu seras infecté. Et là. Et là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté. Bah, ouais. Tu vas sentir le chien. C'est le grand méchant loup. Ouais. Oh. Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris. Coucou, petite perruche. Alors. Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne. Et celle de Max et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à quête. Ou je me vide de mon sang. Exactement. En gros, ouais. T'as le choix. Pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Ah putain. Parce que pareil, après c'est à double tranchant. Est-ce que là elle va nous mordre mais elle prendra pas l'appétit ? Comment tu vas mon Pandix ? Comment qui va le Pandix ? Elle a le droit de le mordre ou pas ? Que ce soit... Hein ? Elle doit le mordre ? Ou pour que ce soit le plus efficace ? Ah là là, Pandix. Pandix, Pandix, le retour. Morlo, c'est un burger. Très bonne question. Il est blessé aux côtes. Il va crever si tu le mords pas. C'est sûr, ça par contre. Ouais, non, mais ça. Moins pratique pour s'en servir après. C'est vrai que la carte. La carte, elle dit que ça pourrait nous sauver la vie. Hein. On est d'accord, elle disait ça. Hein. Elle est où ? Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. L'amoureux. Il y a dans le désaccord une certaine harmonie. Mise en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient du cœur. Et on en sent presque le goût. Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. On accepte du coup. Si je me fie à la carte, on accepte. Parce qu'on ne sait pas ce que peut devenir Ryan derrière. Au risque de perdre. Après, tu me diras, si on veut sauver Nick, dans tous les cas, il est muté aussi. Donc, y aurait Ryan. Après, est-ce que ça va pas faire un combat de loup ? Puis elle le mord sur la carte. Ouais, c'est vrai, elle le mord. Tant que c'est pas Jacob qui mord, je dirais oui. Il a le bras en sang. Bah là, c'est les côtes, lui, surtout. On le mord, apparemment, l'humain, c'est bon. Premier. D'après ceux qui ont déjà mangé. Bah, c'est possible, hein. On mange bien des bestiaux, les bestiaux se mangent bien entre eux. Pourquoi ça serait pas bon de manger un humain ? En soi. Ça reste de la viande, hein. Donc on le mord, on accepte, les gars ? Moi, c'est ça. Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. Attends.
Attends, y a pas un bug là, les gars? La vieille, on l'a descendue, non? Pourquoi elle aide le vieux là? Laura n'a pas attaqué Jedidia, ce truc à lui. On fait quoi? On se laisse mordre? Je regarde, mais là, la vieille, elle aide clairement le vieux à se relever. On a désingué la vieille, donc elle est pas morte? Est-ce que c'est un indice, ça, les gars? Eh, comme quoi, je fais bien de regarder les trucs, quand même. Toutes les cases sont ouvertes quand Laura a détruit la boîte de fusibles. Et du coup, on avait sauvé Jacob qui était parti. Bobby a repris son coup. Ah, aggravant la hémorragie de Ryan. Mais de toute façon, si on avait poignardé, on l'aurait enlevé aussi. Donc c'est un peu ridicule. On fait quoi du coup? On cesse mordre, les copains? Est-ce que ça veut bien voter, les copains? Ouais, mord-le. Oui, mais même. On le mord du coup. Donc on essaye de lui sauver la vie via Laura. Et mais par contre, vous êtes d'accord avec moi pour ce truc là? On est d'accord pour la vieille là? Vous trouvez pas ça louche aussi? Là, elle est dézinguée. Mais là, elle aide le vieux. Parce que moi, je retiens ça, hein. Donc ça veut dire qu'elle est pas morte. Espérons que le vieux fasse pas la même chose alors. C'est juste l'image. Ouais, mais bon. Je me fie à tout, moi. On accepte, alors allez. Ryan. Tu vas être becté. Vas-y. D'accord. Tu m'allèches les babines avant, tu fais un truc, tu sais quoi. Tu tournes trois fois sur toi-même. J'ai la viande bien tendre. Ça, c'est plus bas. Plus bas que c'est tendre. Moi, j'ai peur qu'elle ait la soif. Qu'elle l'arrête pas, en fait. Ah putain, putain. On laisse. Attention hein, Moonlight, ne spoil pas trop hein, parce que si du coup tu connais le jeu, j'ai peur en fait que tes choix du coup ça dissuade donc. Plus de garous, c'est un risque, tu tues un des moniteurs. Mais après, il y a beaucoup plus de garous. C'est un risque que tu tues un des moniteurs. Ah ouais. Il a juste peur, mort. Mort-le, il a pas le choix. Ah ouais, c'est vrai. Je connais quelques trucs, pas tout. Ok. Non, parce que voilà, je dis, si toi tu connais le jeu ou quoi, j'ai peur tes choix, c'est un peu. Ça nous. Je dirais pas spoil, mais que ça nous dissuade sur certains trucs et tout. Mort, ouais, on mord. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'est qu'elle le morde, mais qu'elle ait la soif. Qu'elle ait la soif du sang, tu vois, vu que c'est ça, on va dire, ça serait sa première morsure. Moi, je me fie un peu au film, hein, parce que je pense que des mecs qui ont fait ce jeu sont inspirés de certains films de loup-garou ou machin. Et je me dis, s'ils ont la soif, est-ce qu'elle va pas le becter jusqu'à le tuer, justement? Mais j'ai envie de vous faire confiance, on retire pas le bras. Ok. C'était comment? Tu devrais commencer à te sentir mieux. Bientôt, je pense. Alors on veut encore. Merde. Il faut qu'on perde. Ah.
Allez, je te tiens. Phlébotomie, j'ai débloqué un succès, je sais pas ce que c'est. On dirait le Joker avec son truc rouge autour de la bouche. Ne jette jamais rien, hein. Bon, est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement? Bah, on dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des moteurs? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Ok. Good, allez. On se balade avec Monsieur Moignon. Putain, m'a fait flipper l'enculé. Pardon, excusez-moi. Merde, je m'excuse. Je fouille tout, moi, je fouille tout, les gars. Je fouille tout. S'il y a une carte qui est quelque part. J'ai vu, hein, que je pouvais la contre la porte, mais je fouille tout. Dans un documentaire? Mais non. Allez, ta gueule, viens. Non, non, attends, j'ai pas fini de fouiller, Frangine. Non, laisse-moi fouiller, je veux fouiller, moi. Soit on passe à côté d'une carte. Elle est gentille, Martine, mais... Il y a même un escalier. Moi, je fouille tout. Ces gros fils de pute avaient tout prévu. Note de la casse. Cette demande griffonnée de tenir une entrée hors des registres pour le moins suspect. Suspect, pour le moins suspect. Il doit y avoir quelque chose là-bas qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Le loup blanc? T'es, c'est qui? Travis? On dirait bien qu'il trafiquait un peu les registres. Pff, ça pue. Tu l'as dit. On peut y aller, Martine. Oui, c'est vrai que ouais, en soi, il le cherche aussi. Ça serait con de le cacher. C'est vrai, c'est vrai. Là, ça va s'allumer. Comme ça, je flippe pas. Putain, mais on peut aller partout et...
Oh les gars, vous abusez sur les chemins. Je vais à gauche. Mais il y a combien de... Il y a un corbeau. Loup. Qui c'est qui avait parlé de ça déjà? Pardon, c'était flippant. C'est vrai, c'était Darkness. Bah ça casse les couilles. On est traqué par des monstres tueurs et c'est ça qui t'emmerde. Mais t'as pas les couilles hein. L'un n'empêche pas l'autre. Excusez-moi, ça m'a fait rêver. Ah, j'ai envie de me fier à ton instinct du corbac avec les loups. Est-ce qu'on revient, est-ce qu'on continue sur nos pas ou on avance tout droit, les gars? Ou on tente d'essayer de trouver une carte plus loin? Là, tu sais, je sais pas. Après, ça grille à chaque fois. Il y a tout qui grille. On se barre. Je sais pas si il faut chercher la voiture. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il disait pour trouver son putain de démarreur. Ça pue que ça tombe. De toute façon, si le jeu est pas trop con, je me ferai pas attaquer comme ça. Il y aura un QTE ou quoi, mais. Ah! Les vestiges d'anciennes attractions de foire à la façon dont ils sont mêlés aux autres débris, on devine qu'ils pourrissent ici depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup la voyante, hein. C'est quoi ça? Arum Scarum. T'as vu ça, Kathleen? La vieille, t'as raison, la voyante, on la voit beaucoup trop. Hein. Ça aime bien faire des... Il y a quoi de ce côté? Ah, en fait, je pouvais arriver de là ou là, ok. Ok. Ouais, tous les coups, elle a infecté un gars et elle s'est barrée. C'est vrai que beaucoup d'entre vous pensent que la vieille, ça peut être le loup blanc. C'est vrai, ça peut. Ah, la voiture. Mais évidemment, une voiture abandonnée juste comme ça. Non? Elle est où, Kathleen? Ah, elle m'a fait. Je peux pas passer. C'est de l'autre sens.
On va aller voir par là-bas. C'est vrai. Ah, on peut grimper là. Ouais. Attends, on va faire ça, on va aller là du coup. On va voir s'il n'y a pas un truc par là. Après, ils avaient l'air de craindre la lumière, non? Ça faisait pas. Bon, c'est... parce qu'on a vu, ils utilisaient la lumière rouge, un peu comme l'armée, tu vois. Donc peut-être la lumière comme ça, ça leur fait pas du bien. Hein. Là. Alors, t'as déjà conduit une grue, toi ? En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la salle d'arcade du coin. Les autres m'avaient surnommé la pince. Non, ça c'est parce que t'es radin. Non, c'est non. Oh. Je viens de comprendre. Tiens, et si t'allais voir si tu peux la descendre, qu'on jette un œil sous le capot? Je peux avoir l'arme. Protège-moi, encourageant. C'est le mot encourageant qui me plaît. Protège-moi, lui dit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une arme? Il a qu'un bras, le frérot. Bon, c'est facile, mais... Plutôt une sorcière qui a lancé une malédiction ou un truc dans ce genre-là, en tout cas. Pas con aussi. Ouais, c'est... Protège-moi, vas-y. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu me protèges, hein? Ouais. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Bon, c'est pas si compliqué que ça. C'est le retour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, merde. Ok. Pardon. Il était Wellfest. Allez. On va tenter. Oh putain, ça va être à moi de faire les trucs. Je vais la faire tomber sur Caitlin, moi. Reste pas dessous, hein, Frangine. Hein. Il y a un loup dedans, ça pue. Ouais, j'ai trouvé ma vocation. Bah, il était temps. Bon, peut-être essayer de marcher ce machin. Oh, c'est cool. Oh. Je lèverai pas la voiture parce que Caitlin peut monter dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Lever la voiture ou prévenir Caitlin? Le truc, c'est que si tu lèves la voiture, Caitlin peut pas monter dedans. Alors que si tu la préviens, elle peut monter dans la voiture et toi, tu lèves la voiture. Je sais pas comment vous voyez le truc. C'est ce que je pensais. Je sais pas si vous voyez comme moi, les copains. Entre prévenir et lever avec le bordel et la hauteur. Oh bah attends, elle a réussi à entendre, ils ont réussi à se parler avec la musique du Hellfest. Si tu lèves, même si elle est dedans, juste... à lâcher la voiture pour la tuer, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir plein de trucs comme ça, on peut faire plein de scénars. Hein. C-
Comme aussi, ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je... Sinon, ce que je pensais, c'est lever la voiture, le loup arrive et on la relâche sur le monstre. Je sais pas. Tu sais, t'as la voiture en l'air, il y a Caitlin, elle est comme ça avec son fusil, et en limite, elle tire une cartouche, le bonhomme il reste sur place, et t'as lui qui arrive et pouf, il fait tomber la bagnole dessus. Désolé, hein, j'imagine des tas de scénars aussi. Tu peux juste redescendre la voiture comme il vient de le faire. Ouais, mais il peut lâcher aussi, il peut désactiver l'aimant normalement. Enfin, dans une case, tu peux désactiver juste l'aimant. Ouais, c'est vrai, ça peut être un autre pote aussi. Putain, je me fais chier ces petits insectes là, j'ai tout fermé, il y a encore des insectes. Ah, on met quoi ? Ah, du coup, c'est mitigé. Après, mon instinct me dit que tout le monde, ils auraient fait le truc que tout le monde aurait choisi prévenir Kate. Objectif ? Pourquoi objectif aider Caitlin ? Oui, parce qu'elle est en danger, mais du coup, c'est pas un indice. Autrement, elle se cache, il lève la voiture pour attirer, et après, on lâche la voiture sur lui si on peut. Oui, parce que ça se trouve, on lève la voiture, ça va donner un autre choix. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu fous, machin ? Et là, il peut dire, il y a un truc qui arrive, cache-toi. Je sais pas. Vous feriez quoi ? Lever la voiture ou prévenir ? Singo, mes petits Luc, Prozite, Eldarkness. C'est Caitlin qui a l'arme, donc elle pourra tuer le loup. C'est vrai qu'elle peut se défendre, on lui a laissé l'arme. C'est ça aussi que je vois. Lever la voiture. C'est... Mon objectif partirait là-dessus. Parce que j'ai l'impression que les choix ont fait en sorte que tu préviennes tout de suite. Tu sais, ça serait instinctif de dire tu préviens. Moi, personnellement, allez, je pars, je lève la voiture. Singo, il lève la voiture. Eldarkness, il prévient. Moi, je préviens. Deux préviens, deux levés. Ah, moi, je lèverai, moi. Hein. On prévient, le loup veut juste nous mordre. Après, c'est comme tout, ça se trouve, on lève pas la voiture, il nique une pièce, je sais pas. Après, il vaut mieux qu'il nique une pièce que la personne, mais... Ah, il y a plus de je préviens pour le coup, hein. Mais est-ce qu'elle va entendre ? On peut pas voler, donc logiquement, c'est tranquille. Parce que moi, en fait, sur ce choix-là... Ah oui, c'est ça. On a... Je regardais si on avait un timer. Ouais. Sur ce choix-là, le truc, c'est que... Je sais pas pourquoi, dans la précipitation, je pense que tout le monde aurait prévenu Caitlin. C'est ça qui me perturbe, en fait. C'est le faire le choix le plus logique. Après, tu me diras, oui, des fois, le choix le plus logique est le bon. Mais des fois, le choix le plus qui nous paraîtrait le plus logique n'est pas forcément le bon. Après, en soi, s'ils sont pas trop vaches... ils vont nous laisser un truc de récupération. Hein. J'ai juste peur que si tu lèves et qu'elle te capte pas, pourquoi ? C'est ça, moi aussi, que... Vous voulez qu'on prévienne ? De toute façon, il y avait plus de « on prévient ». On prévient, allez, je vous fais confiance. Hein. Oh merde, merde. Y'a un truc qui vient. Quoi ? Cache-toi ! Tu vois. Oh ! Je l'ai fait !
Vite! Lève! Je l'ai fait, hein, je l'ai fait, mais. Hélas! Bouge! Ce putain de loup-garou! Lâche tout! Mais bouge ton cul, putain! Klaxonner! Klaxonner, ça lui fait. T'as raté le nul, je t'emmerde! Un vrai cafard, ce loup! Fallait lever direct, elle était dedans. Ouais, tu vois, j'avais raison. Lever la voiture. Klaxonner, ils ont mal aux oreilles avec le son. Ils craignaient le son? C'était pas l'ultrason qu'ils craignaient? Ouais, il va peut-être. Putain, il y a tellement de choix, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On klaxonne ou on laisse la voiture? Ouais, c'est la lancée. Il y a Kathleen dedans, du coup. Comme on disait tout à l'heure, c'est qui? C'est lui qui a fait la réflexion de on peut tuer Kathleen dans la bagnole. On va pas la lancer, du coup. On peut tuer Kathleen. Ouais, faire tourner vite, c'est pareil. Hein. Klaxon, non? Moi, on mettrait klaxon, du coup. J'ai peur, ouais, le lâcher, lancer la voiture, c'est ça qui a écrit. Lancer la voiture, ça me fait... Il y a peut-être le côté où on va jeter Kathleen, du coup. Bah, je sais pas. Après, s'ils te le mettent... Dans tous les cas, normalement, Kathleen est dans la bagnole. Donc, s'ils te mettent lancer la bagnole, ça serait con que tu la tues. Elle m'a demandé quoi? De bouger la bagnole? C'est ça qu'elle a demandé? J'ai pas fait gaffe, j'étais tellement dans le... Parce que le problème, c'est que si on grille une vie, il nous en restera plus qu'une. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Vous voulez la balancer ou... Putain, j'ai peur. Après, mon choix, ma logique, me dirait dans tous les cas, Kathleen est dans la bagnole. Balancer la voiture, ça serait con que ça la tue. Pourquoi il te ferait faire un choix qui tuerait automatiquement? Ça n'aurait aucun sens. Après, on a peut-être le risque que Kathleen soit gravement blessée par contre. Les deux semblent bons, ouais. On peut dire ça. Tiens, attends, il y a une note. Le message fait référence à la voiture de Max. Travis ne voulait pas qu'elle apparaisse dans les registres pour qu'on ne retrouve pas leurs traces. Ok. Je regarde, on sait jamais, hein, c'est des petits trucs. Ouais, c'est ça, balancer la voiture. Aïe, 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 aïe. C'est le balancer qui me fait peur. Après, balancer, oui, c'est vrai qu'il peut balancer, balancer. Ou balancer, jeter. Je pense qu'il y aura écrit expulser ou jeter la bagnole. Là, balancer. Ouais, faire un va-et-vient avec la voiture et du coup, avec l'élan, ça éjecte le bonhomme. On met balancer ? Non, il y a écrit balancer, tu vois, balancer la voiture. Il n'y a pas écrit lancer. Hein. Donc balancer, une balance. Donc ouais, c'est il la laisse en fait. Bon, elle va vomir, Kathleen, mais elle va laisser les macaronis sur le tableau de bord. On mettrait quoi, les copains? C'est parce que Brock, il est devant le... Balancer sans ceinture, ça sent l'accident. Ils sont pas... Après, c'est les Américains. Hein. Ah merde, désolé, il y a ta grosse tête devant. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Ouais. Ah, je suis devant le bas. Ok, il y a écrit balancer. Il y a écrit balancer, les copains. Je veux... Si vous voulez... Hop. Voilà, comme ça, vous avez vu vite fait.
Il y a écrit balancer. Donc, klaxon est court. Mais oui, mais court, je cours comment? Enfin, il court où, lui? Enfin, lui, il va juste descendre des escaliers dans tous les cas, mais elle, elle fait quoi après, une fois bloqué là-haut? Tu peux le refaire une dizaine de fois encore? J'ai pas vu. Ouais, non. Moi, je dirais klaxon. Elle tire? C'est vrai qu'elle tire. Allez, on passe au vote. Qui balance, qui tire? Enfin, qui balance, qui court? Enfin, qui klaxonne, pardon. Qui balance et qui court? Moi, je mettrai... J'aurais tendance à mettre balancer. Parce que je crois que c'est les ultrasons qui craignent, comme les clébards, mais pas le bruit même, je sais pas. Je balance le klaxon, ça sert à rien. Voilà, klaxon. Pandix il balance, Singo il balance, Eldarkness il klaxon. J'aurais tendance à dire balance. En balance du coup. Oh, j'ai tellement peur d'un choix de merde. Je vais me dire la phrase que je me dis tout le temps quand j'hésite sur un truc qui fait peur. La peur n'évite pas le danger, les gars. Allez. Elle a plus le fusil. Il va lâcher la voiture dessus. Ça va me le proposer. Dylan, allez, aide-moi. Dylan, c'est pas de l'argent, il reviendra. Vas-y. C'est pas de l'argent, il va revenir. Oh. Ok. Puis je pense pas qu'on ait tué quelqu'un de truc, sinon ça m'aurait dit que vous avez tué tel personnage, je pense. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Oh, tu sais, c'est rien. Mais j'ai hâte de savoir qui ils choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film, sur mon courage héroïque. On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. T'es dingue ? C'est toujours mieux que de rester ici. Allez. Ouais, c'est ça. Ça pue, hein. Ah, ça va être peut-être avec la vieille, là. Ah non. On peut pas rester là. Pourquoi ? Dylan dit que ça va. Ouais, mais j'ai pas envie de poireauter là. Mais c'est littéralement tout ce qu'on a à faire, juste attendre le matin, non? Bon. Bon, il nous faut une arme. Va regarder ce qu'on peut trouver. C'est toujours mieux que d'attendre sans rien faire. Putain, tu te bouges pas le cul, toi. Alors voir les autres au charbon et... Putain. Putain de nom de lieu.
Ah, le pape. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait, le mal qu'ils nous ont fait, il est toujours là, tout seul. À chaque pleine lune, ils le traquent, armé d'argent. Ils essaient de mettre fin à la malédiction qu'ils se sont infligée en brûlant mon gagne-pain, il y a 6 ans. Ces enfants stupides, mais le petit Silas, mon petit loup blanc, Silas est le loup blanc, il faut le protéger. Ne suivez pas cette voie, vous m'entendez? N'oubliez pas que je vous ai aidé depuis le début. Les gars, c'est la vieille qui nous aide depuis le début et elle nous demande de ne pas tuer Silas. Le petit loup blanc, c'est Silas. Eh ben Silas, tu vas crever. Silas, tu vas crever. Dans ta merde, bêtement dans ton vomi. Oh merde. Abby, fais pas de dinguerie, hein. Putain, y'a pas de lampe? Oh, elle m'a fait flipper. Je sais pas qui c'est Silas. C'est le petit le qui nous parlait depuis le début là. Il y avait un petit qui a été tué ou je sais pas quoi. Rappelez-vous ici, on se rappelle les gars. Il y a un barreau d'échelle qui est pété. Hein. On dirait qu'on a retiré un des fusibles. D'où l'absence de courant. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Qu'est-ce que c'est? Des balles d'argent. Comment elles sont arrivées là? Le chasseur a dû les perdre. Il a dû monter par là pour attaquer Kathleen. Ces enfoirés sont partout. Elle a gardé la balle. C'est bon signe. L'échelle là, j'ai pas envie d'appuyer sur A, ça pue qu'elle commence à grimper, qu'elle se blesse. Mon instinct me dirait d'aller par là-bas. Qu'est-ce qu'on ferait les gars? Vous feriez quoi? On coopérait pour s'échapper de la casse, ok. Abigail et Emma ont trouvé des balles en argent dans le sous-sol. Parce que c'était au tout début, je crois. Je sais plus c'est où. Voilà, là. Dylan a fait bouger un des barreaux de l'échelle. Pour moi, je sais pas comment vous le voyez, mais ça pue que si on emprunte l'échelle, on va se blesser dessus. Donc moi, je prendrais la porte, là. On a une balle d'argent dans tous les cas, mais on n'a pas de fusil. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On tente ça? Singo, tout ça, les copains, si vous êtes là. Montrez les chaussures d'habit, hein. Donc on tente la porte, c'est ça que vous dites.
porte ou échelle. Moi, je dirais porte. Voilà. Si tu ouvres l'escalier, le loup peut en venir. L'échelle, moins risquée. Porte. Ah ouais, pff, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Après, je vois le truc que si on emprunte l'échelle, elle nique un barreau, elle se blesse. Et du coup, ça peut nous handicaper pour plus loin. Coucou, petite perruche. Yo mon Luffy, comment ça va mon petit Luffy? Comment tu vas mon vieux? On tente avec Brock, c'est pas la question. Vous voulez me tenter? Surtout que le loup est déjà venu d'en haut. Au début. Comment tu vas mon petit Luffy? Ah je sais pas, vous me faites hésiter. Pour moi après s'ils ont mis que le barreau de l'échelle a bougé, ce n'est pas pour rien quoi. Après, regarde ce qu'on peut voir aussi, Eldarkness. J'ouvre la porte, ça laisse au loup le truc de rentrer. On peut grimper à l'échelle, on va passer, mais lui, quand il va grimper, il va casser le barreau et tomber. On peut le voir aussi comme ça. Tu vois, Abby va passer avec son petit poids, tu vois, ses petits 40 kilos, là. Elle va faire... Hop. Elle passe, l'échelle va résister, le loup il va arriver avec sa force, tu vois. Voilà, pop. Il nique le barreau, paf, il se casse la gueule, nous on se marre, on prend la fuite et... Ça peut aller, et vous? Bah ça va, on continue gentiment sur The Quarry, on approche gentiment de la fin. Et il peut pas grimper, non? Si, il peut grimper, le loup. Enfin, il fait des jumps de malade, de toute façon, mais... Il y a Emma aussi, hein. Ouais, il y a Emma, ouais. Ah, je sais pas, le souhait... Pour moi, c'est bizarre que ça me dise ça, du coup. Pourquoi ça me mettrait dans le chemin... C'était où? Pourquoi ça me mettrait Dylan a fait bouger un barreau de l'échelle? Tu vois, c'est pour me dire attention, c'est fragile. Abby, elle ne le sait pas. Mais après, c'est vrai que si tu ouvres la porte, il peut y avoir le loup derrière. Trop de choix, les copains, trop de choix. La porte. Ça veut dire qu'il peut encore résister un peu, après c'est finito. Ouais, je pense comme ça. Soit la porte, soit l'échelle. Allez, on décide les copains. Échelle ou porte. À vos votes, messieurs. Moi, je dirais... J'aurais tendance à dire porte. Après... Que mon choix ne vous induise pas en erreur. Luffy dit la porte. Singo il dit la porte. En tout cas, c'est ce que je comprends. Échelle, j'ouvrirai pas dans un si dans une si grande salle. Ouais, mais. Il y a tellement de scénars. On essaye, allez. Au cas où, on pourra la sauver, les gars. On pourra recommencer, on a des vies. C'est Abby, on s'en fout, on a des vies, on claque les vies pour Abby. Go, j'ai envie de me faire confiance. Pourvu que ça tienne. Ah, bon, ben voilà, ça le dit juste ça. Je regarde s'il y a peut-être du coup un truc que j'ai oublié. Après, il faut peut-être reparler à Emma. Hein. Il y a rien d'autre. De toute façon, il y a rien d'autre. On va essayer l'échelle, mais. T'as trouvé quoi? Oh, je. Regardez juste l'échelle. Est-ce que. C'est une toute petite trappe là-haut? Oui. Eh ben, ouvre-la. Pourquoi? On sait pas ce qu'il y a là-haut. Exact. T'as un peu suivi ce qui se passe ou pas du tout? Ok, ce que je veux dire, c'est...
que ça peut être bien pour nous d'avoir une issue. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le chalet et on pourrait peut-être aussi trouver de quoi se défendre. Ok. Ouais, t'as peut-être pas tort. Aïe aïe aïe. J'espère qu'il y a un QTE et qu'il faut pas que je merde. Oh ma petite Abby, s'il te plaît. Fais attention. Tout va bien ? Oh merde, ouais. Okay. Ouais, c'était chaud. On va perdre Emma, les gars. Après, j'ai l'impression que j'avais pas vraiment le choix. Hein. Ça me proposait pas 8000 trucs, j'ai l'impression. Bon, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Merde, c'est carrément immense. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête. Tu sens ça ? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Ok. Bon, elle, c'est un loup. Maintenant, tu vois, je me sens badass. Sois prudent. Ouais. Non, je vais peut-être marcher doucement parce que je marchais comme un con, là. Ah. C'est quoi ? La preuve qu'on avance. Suis-moi. Ouais, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Chut. Ah, je pensais qu'elle allait garder, tu vois. Ça m'aurait fait peut-être un truc pour endormir à la place de tuer, tu vois. Il vaut mieux te revoir, mon enfant. C'est pas... C'était quoi ? Je crois. Qu'on a trouvé Chris Hackett. Bah, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Oh putain, c'est là la scène. C'est quoi cette mort ? Ah !
J'ai envie de tirer à côté. Rappelez-vous, les armes font des dégâts légers sur le côté. Comment on a fait pour Nick ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, on est pas obligé de tirer. Hein. Tue l'autre, vite. Pourquoi tuer tout de suite ? Tuer, c'est l'instinct qu'on aurait direct, tu vois, dans ce jeu. Ils font exprès de te mettre ça. Est-ce que c'est vraiment le bon choix, tu vois ? Ah, ça me stresse. J'aurais bien aimé que le loup tombe seul, j'aurais tapé une barre. Faut tuer le Chris pour désenvoûter la fille. Mais non, c'est Silas, le loup blanc. Chris, ça sert à rien de le tuer. Il faut tuer l'original, en fait, pour qu'il redevienne... De tuer Chris, ça va rien changer. Imagine, c'est Bob, il faut pas le tuer. Hein? Enfin, moi, de ce que j'ai compris, je sais pas moi, mais, enfin, je sais pas vous, moi, j'ai compris. L'originel, si tu tues l'originel, ils redeviennent tous machin. Que tu tues quelqu'un qui a... Si tu tues elle, ça va pas rendre Ryan, pour moi... Attends, c'est quoi qu'on a trouvé ? Chris Hackett a tué la mascotte du camp. La nuit où Laura et Max ont été enlevés. Alors qu'ils se cachaient dans le sous-sol... Il a dévoré Yann en espérant se rassasier. Ça n'a pas suffi. Merde. La scène de la boule. La scène de la boule, c'est quoi que t'appelles la scène de la boule ? Hop. C'est vrai qu'il tire pas. Dans le truc, il tire pas. Il tire pas, ça tue tout le monde. On le voit, il tire pas. Non, même. Parfois, il faut prendre des risques. Le karma est mystérieux. Mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Regardez bien. Même si la roue tourne, un œil averti saura quand elle s'arrêtera. Ils étaient deux là, on est d'accord. Il y a Chris et Truc, ok. Un œil averti. C'est elle qui tue Travis. On le voit à sa tenue. Est-ce que le blessé... J'aimerais juste blesser. Est-ce qu'on tire... Si on tire dans le bras, ça va faire comme avec Nick. Parce que là, on voit que c'est elle, voilà, elle mute. Là, on voit Ryan, il meurt après, hein, on le voit là. Là, ici. Il se fait défoncer la gueule. Ouais, il l'a tué après. C'est vrai qu'on la voit tomber après. J'ai envie de blesser, moi. J'ai envie de blesser, j'ai envie de blesser. Mon instinct me dirait de blesser. De tirer dans le bras ou machin comme on a fait pour Nick. Et ça lui a fait prendre la fuite. C'est des balles en argent, donc forcément il va prendre de la douleur. J'ai envie de suivre mon instinct de blesser, d'essayer de blesser sans tuer.
Oui, mais démuter, je vois ce que tu veux dire, Eldarkness. Mais moi, j'ai envie d'essayer de les laisser en vie jusqu'à ce qu'on trouve tous Loup Blanc. Trévis, regarde, il veut trouver Loup Blanc aussi. Il disait qu'il voulait servir de leur flair pour essayer de repérer Loup Blanc. Pour moi, c'est Loup Blanc la source de tout. Attends, je regarde vite fait un truc. Elle a un short. Il a juste un short. J'ai envie de blesser, moi. Ah putain, j'ai peur. J'ai peur parce que là pour Trévis, je sais pas si ça me repose. Si jamais il meurt, ça me reproposera le choix. Pour Ryan, ouais, mais pour Trévis. Et tuer, j'ai pas envie de tuer Chris, quoi. Comme elle a dit. Oula, Slayers. C'est pas une question de bien ou de mal. Pff, oh, les choix de merde. Les choix de merde. C'était quoi celui-là? Ah oui, ça on l'avait vu. Moi, je blesserais, moi. Luffy, il blesserait aussi. Darkness, il veut tuer. Singo, tout ça, vous êtes encore là, les copains, ma petite Méline, tout ça, vous êtes là. C'est bien d'avoir plusieurs choix, quoi. D'avoir plusieurs points de vue. C'est vrai, c'est ce que tu dis après, le Darkness. Hein. Parce que là, dans la vision, on voit qu'il fait rien. Dans tous les cas, il fait rien, c'est pas bon. Après, je pense, on voit qu'il meurt après, mais il meurt parce qu'il a planté, hein, je pense. C'est pas parce qu'il prend des cartouches, je pense. Croix en l'âme des cartes. Ouais. Mais l'âme des cartes, elle me dit quoi, là? Parfois, il faut prendre des risques. Le risque de le blesser, tu vois. Le karma est mystérieux. Mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Regardez bien. Même si la roue tourne, un œil averti saura quand elle s'arrêtera. Ça se trouve, on se trompe. Hein. Ça se trouve, on se trompe en blessant. Hein. Je sais pas. On blesse du coup, on tente de blesser. Vas-y, je vais faire confiance à mon instinct. Oh putain, j'ai pas eu le choix. Attends, mais j'ai pas eu le temps en fait. Bon bah j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le temps. J'ai appuyé sur la touche et ça a pas marché. Bon allez, on retente. Un est censé tuer. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on verra, on va tirer et puis on verra.
On va voir si ça va nous faire reprendre, d'accord. Mais ouais, en fait, c'est que le laps de temps était trop court, j'ai trop regardé. Babi, on va tirer, les gars. Là, j'aime bien comme il meurt, regarde. Enfin, comme il s'endort. Vas-y, on tire. On s'en fout, on tire. J'ai tiré dans le bide, hein. M'avoir tué. Ouais. Pareil. Bon. Tout le monde redevient comme avant. Quoi ? Oh. Tu crois que c'est terminé ? C'est pas si simple. Je comprends pas, là. Chris est mort. Ah. Chris, c'était pas le premier. C'est impossible. Caleb. Kaylee. La fille que t'as tuée. Son frère. Ouais, dégage, la moustique, là. Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. C'était un homme bien, mon frère. Mais alors, qui a mordu Caleb ? Silas. On le traque depuis longtemps. C'est un gitan, un nomade. Il avait quitté la région, mais on espérait le revoir pour en finir. Il a été repéré un peu partout sur la côte, un enfant sauvage albinos, un loup blanc géant. Un loup blanc. Hein ? T'as dit quoi ? Où ? Où tu l'as vu ? Hé, lâchez-le ! Vers les cabanons, un peu plus tôt. Ok. Ok. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment, et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a 2 mois. Aidez-moi. Aidez-moi. On peut sauver Caleb. On peut sauver ce qui reste de ma famille. On peut aider ceux qui sont encore en vie. Bah, suspicieuse pour tout, pour le coup, pas mauvaise. Il veut vraiment s'en débarrasser, les gars. Non, je pense pas que ce soit Travis le premier. Suspicieuse. Ouais, on est d'accord, hein. Pourquoi je vous ferais confiance ? Je te demande pas ta confiance. Je dis juste qu'on peut en finir. On tue Silas, et tout le monde sera guéri. Tous ceux qui sont encore en vie. Il aurait pu la tuer s'il voulait avec le truc en argent, hein. S'il était vraiment okay, mauvais. Ok, alors... où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Ça veut pas dire que je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Je comprends. Et ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues ?
vous saviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Ça arrive, les FPS arrivent, les gars, ne vous inquiétez pas. Ça merde tout le temps au début. Ça ne fait rien. Il reste du temps. Nous pouvons encore triompher. Le passé est le passé. Concentrons-nous sur le futur, voulez-vous? Et puis on va s'arrêter là après. La mort. La mort a bien des visages. Elle peut indiquer le changement, la transition, la transformation. Elle est souvent interprétée comme une balise pour l'optimiste. Dans votre cas, elle signifie... eh bien, simplement la mort. Oh, t'es drôle. Non, bah c'est bon, t'es creepy, là. Le soleil, la vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Le pape ? Où avez-vous trouvé ça ? Où l'avez-vous trouvé ? Elle n'a rien à faire là. Il a déjà bien assez souffert, non, non, non. Mon pauvre petit, tu vois ce qu'ils nous ont fait. Il y a 6 ans. Non. Bon, les gars, est-ce qu'on se garde pas ce suspense pour le prochain coup, qu'est-ce les gars? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, Géraldine. Oh là là là. Oh, tu donnes, c'est pas la grand-mère qu'on a envie qui nous garde, hein, je te le dis, moi. Aïe, on va savoir. T'as vu comment elle s'est énervée tout de suite? Alors, attends, ça met quoi, là? J'ai envie de savoir. Travis a décidé de coopérer avec Laura pour trouver Silas. Ouais. Laura, Travis et Ryan ont décidé de coopérer pour trouver... ok. Ouais, elles sont entrées dans le chalet. Ryan a été sauvé de son hémorragie. Ok. Ok. Bah les gars, est-ce qu'on se garderait pas ça pour le prochain coup, moi je dis? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà l'heure, hein, 1h45, on aura bien avancé quand même. Mais là, c'est vrai qu'elle se découvre, elle se découvre. Elle est pas contente qu'on ait trouvé la carte. Ah, ça se trouve, ça aurait changé le scénar, hein, si on n'avait pas pris la carte. Pas de carte, le soleil, le loup. Il ressemble comme un shérif a dit. Ouais. Elle était bien impliquée pour le coup. Eh oui, c'est la voyante. Hein. Pour moi, la vieille a enchanté Silas pour qu'il infecte et tuer les responsables. C'est possible, on va le voir là de toute façon. Hein. Le prochain coup, je pense qu'on va voir ça. On va voir toute la malédiction et tout. Ils sont bien faits les traits du visage. Elle donne pas envie qu'elle nous garde. Hein. Vas-y, frustre-nous. Ouais, super, Power Gamer, trouveur de cartes. Ah bah oui, au moins. Oui, heureusement que tu l'as trouvé, on n'aurait jamais su sinon. Bah ouais, enfin, on s'en serait peut-être douté, parce que vous aviez déjà des doutes pour la vieille. Mais ouais, là, la carte, ça l'a énervée. Hein. Elle était pas contente. Hein. Mais du coup, ouais, on se garde ça pour le prochain coup, les gars, parce que c'est 1h40, honnêtement, on va être... si je commence à me lancer là-dedans, je pense qu'on va être pris dedans, on va pas vouloir lâcher, je vais me coucher à pas d'heure. Demain, c'est le week-end. Demain, c'est le week-end, les gars. On va pouvoir traîner plus longtemps. Ça se trouve, on jouera avec les copains demain.
Oui, la vieille, pour moi, c'est une sorcière qui a fait une malédiction. C'est possible. Ouais, qui a contaminé, qui a rendu un peu un truc à son gamin. Et du coup, pour... Ah, ou peut-être, vu qu'il y a eu tout ça, son gamin était au bord de la mort. Et c'est le seul truc qui a pu le sauver du fait de le rendre en loup. Et du coup, je sais pas. Et du coup, du fait qu'il soit en loup, il n'arrivait pas à se contrôler, il a mordu d'autres personnes, les autres personnes sont devenues des loups. Mais demain, Bob, normalement, oui, demain, c'est avec les copains. C'est pour ça que je vous dis le prochain coup, dans le pire des cas, ça peut être lundi. Sachant que, ne vous inquiétez pas, on le continuera, on le finira en stream, quoi qu'il arrive, les copains. Et comme j'ai dit, il faudra que je vois, normalement, ça va être validé. Mais j'ai posé une semaine de vacances encore. Normalement, si tout va bien, à partir du 8, du vendredi 8 au soir, je suis en vacances. Du 8 juillet au soir. Il y a encore un peu de temps, mais c'est pour vous prévenir qu'on pourra faire des streams un peu plus longs et peut-être un peu plus tôt. Pendant une semaine hein, seulement. Elle a dit de sauver le petit Sailas alors que c'est le loup blanc, c'est pas logique. Non. Bah oui, elle veut le protéger, son gamin. Et Elden Ring et Sekiro, Mister. Elden Ring, j'ai pensé à le reprendre aussi, mais je suis aux deux gargouilles là, j'en chie. Mais je l'ai pas retouché. Je t'avoue qu'il y a tellement de jeux qui sortent que j'ai envie de faire, honnêtement. Ce qui fait plaisir, c'est que Eldarkness, Singo, Luke, tout ça, vous avez l'air à fond dedans dans ce The Quarry, donc ça fait plaisir. Et c'est cool, honnêtement, moi le jeu, je me régale. Je suis dégoûté parce qu'on a niqué une vie pour rien, j'aurais dû tirer depuis le début. Après, c'est pas grave, comme on dit, il nous reste une vie, on essaiera de sauver Abby. Après, si on n'arrive pas à en sauver quelques-uns, bah c'est pas grave, malheureusement. On aura fait notre histoire au moins. Mais si Abby elle crève, je suis dégoûté quoi. Mais voilà, au moins on aura fait ce jeu. Et pour l'instant, je m'éclate de ouf. Ce jeu a une putain d'histoire, il est vraiment sympa. Enfin, moi je m'éclate. Après, je suis très bon public, hein. Mais oui, mon Luffy, Elden Ring n'est pas désinstallé, je compte le reprendre de temps en temps. Mais c'est pareil, Elden Ring, j'attendais aussi que tu sois là pour me guider. Parce que tu étais mon guide sur Elden Ring. Mais on le continuera. Hein. Visage et The Quarry sont deux jeux formidables, c'est vrai. Visage, on l'a fait. Visage, je l'ai fait déjà en stream. Donc voilà, on se continue ça. Comme j'ai dit, demain, normalement, c'est avec les copains. On va voir sur quoi on s'organise. C'est possible. Peut-être on peut titiller du Fall Guys ou des conneries comme ça, on verra. Peut-être du Conan, peut-être du Rocket. Je sais pas. Il faudra voir un peu comment je suis demain. Si jamais il n'y avait pas les copains de disponibles, on pourrait continuer The Quarry, dans tous les cas. Et si jamais on fait le week-end avec les copains, The Quarry, on le reprend lundi, les copains. On le reprendrait lundi, si ça vous va. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés que l'on s'arrête là. Mais ouais, mais il y a le boulot derrière, il faut que j'y pense. Donc, faut que je sois en forme, surtout si... Là encore, ça va. Cette nuit, j'ai pas trop mal dormi, mais il y a des fois, je passe des nuits de merde. Alors, pour le boulot, c'est pas ouf. Bah, j'avoue que pour une fois... Tu peux pas tout deviner au début, c'est pas mal. Quoi, sur le jeu? Ouais, tu veux dire que tu dis... mais que dès le début, tu dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que là, on a plein de rebondissements, en fait. Et Elden Ring, mardi. Ouais, mercredi, c'est Kiro, et après, on reprend... Oui, les films, tu le vois dire. Ah bah ouais, bah les films, maintenant, sont prévisibles. Hein. Bah, c'est surtout quand t'en bouffes une chier de film d'horreur où plus ou moins c'est le même scénar et machin, oui tu t'attends plus ou moins un jumpscare, tu sais comment ça va arriver, tu sais comment c'est calqué, machin. C'est pour ça que maintenant moi les films d'horreur en général il faut qu'ils aient une putain d'histoire. Il y en a qui m'ont marqué, qui avaient de jolies histoires, mais sinon le truc pour faire de peur pour faire peur, ça, moi ça me fait plus rien. Comme je vous ai dit il y avait pas longtemps, j'ai regardé avec mon père, parce que ça passait sur la box d'Orange ou je sais pas quoi. Tout le monde me parlait de Paranormal Activity. On l'a regardé avec mon père, on s'est regardé l'air de dire mais c'est quoi ce film de merde. Surtout à la fin. Mais voilà, après voilà, il y a des films, moi ça me surprend plus. Que lui, ouais, comme tu dis, lui il est prenant. En fait, il est prenant parce que je trouve les personnages, on arrive à s'y attacher quand même. Au début c'est un peu dur, mais on arrive à s'y attacher quand même. Et l'histoire est vraiment bien foutue. Hein. Est vraiment bien foutue. Hop.
Il est nul. Ouh, il est nul. Il est nul. Paranormal Activity. Oh, tu rates rien, Luc. Hein. Paranormal Activity, c'est... Il était sorti, alors les gens disaient oh, « Ça fait très peur parce que c'est des images réelles de caméras de surveillance dans une maison. » C'est de la flûte, hein. Moi, comme j'ai dit, la plupart des films, films d'horreur où ils vous mettent inspirés de faits réels ou tirés de faits réels, c'est uniquement pour vendre. Uniquement pour vendre. Parce qu'ils savent que t'as les petits ados qui vont arriver, qui vont faire oh, « t'as vu ? C'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, hein. » Donc, ça fait peur, hein. C'est de la flûte. C'est marketing. Ils ont sorti pareil pour l'Exorciste à l'époque, inspiré de faits réels. Oui, ça peut être inspiré d'une histoire qui a été vécue, d'une peut-être une gamine qui avait des crises et des machins. Mais comme on dit, si la nana avait réellement fait un 360 degrés avec la tête, frérot, elle aurait la tête d'un poulet qui pend, tu vois. Donc ils aiment bien en rajouter, hein. Ils aiment bien dire ça souvent pour vendre le truc. Moi ça j'y crois quand c'est des films de guerre, des machins, où ça peut être une histoire plausible. Là, l'histoire des mecs qui marchent sur des murs, des machins, la maison, surtout Paranormal Activity, tu vois la scène de fin, mais tu te dis, mais moi ça m'a tout niqué le film. C'est la scène de fin qui m'a niqué le film. Paranormal Activity, ils ont trouvé le moyen de faire 5 suites. Bah j'ai regardé que le premier, hein. Il passe à la télé, on savait pas quoi regarder avec mon père, on a mis ça en fond. Ah, je te dis, un moment, on s'est regardé avec un sourire, l'air de dire « On est d'accord, film de merde. » Et pourtant, j'aime les films de merde. Je peux le dire, j'adore les films, moi, qui finissent très cons. Moi, j'aime bien qu'un film, moi, il me fait un truc, si le film, tu le regardes, et d'un coup, la scène de fin, bah, ça cut, t'as l'impression que le film, il a été coupé à la One Again, comme ça. Et d'ailleurs, un film que j'avais beaucoup aimé, pour moi, hein, bah, j'avais trouvé sympa, c'était It Follow. Parce que le film It Follow, t'es en pleine scène, tu regardes, et d'un coup, ça se coupe, générique. Et c'est à toi de t'imaginer la suite. Et j'aime beaucoup. Ou pareil, j'aime bien les films qui ont des fins très cons. Par exemple, tu vois qu'on parle le film C'est les Américains qui gagnent. Je vois bien par exemple que, par exemple, j'ai une connerie. Un Die Hard, ça m'aurait fait kiffer que tu vois Bruce Willis qui bute tout le monde et à la fin il crève comme un con. Tu vois, ce genre de fin, je veux te dire. Mais là, Paranormal Activity, autant j'aime les fins de merde, autant lui, il m'avait bien fait chier, quoi. Tu insinues que l'histoire est moins foutue que. L'histoire est mieux que mieux foutue que Elden Ring. De quoi qui est mieux foutu? Celui-là? Après ça n'a rien à voir. Après Elden Ring, pour moi Elden Ring, je le mets comme un Game of Thrones. Hein. C'est une histoire de cul un peu partout. Hein. C'est lui, il a couché avec lui, lui il a couché avec lui. Ils ont fait des petits entre eux machin et c'est lui qui va être leader de tout. Mais lui, comme il est pas d'accord, il veut buter lui pour prendre son trône. Moi je le mets comme ça j'arrive à me mettre une histoire. Bah elle est bien folle, exactement. It Follow, il est super. It Follow, ouais, j'ai beaucoup aimé It Follow. Je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Que ça coupe juste avant la fin. Mais c'est pas que ça coupe juste avant la fin, c'est que c'est la fin du film. Enfin, le film a été fini comme ça et après c'est moi. Moi je sais que j'adore les films qui finissent très cons. Donc, mais après c'est moi. Il y en a, ils aiment bien que ce soit full américain et que c'est le happy end à la fin machin. Moi j'aime bien que ça me surprend. Qu'il n'y ait pas de happy end, justement. Que, tu vois, par exemple, j'avais regardé un film d'horreur, et ça, j'avais dit, le film est merdique, hein, mais le film, il m'avait tué, parce que ça te montre tous les personnages, ils sont badass, à la fin, t'as le mec qui vient sauver tout le monde, et il y a même écrit le héros, tu vois, il te le montre, le mec, il est putain de badass, beau gosse et tout, il meurt dès le début. Dès le début du film, il arrive en mode héros et tout, il fait une action qui est stylée et tout, il se fait becter par la bestiole, il se fait arracher la tête et tout. Et c'est les autres qui... Ils avaient dit, mais ça, je kiffe. Il te montre le mec bien badass, il arrive et tout, il meurt dès le début. Alors que c'est les autres qui sont merdiques et qui arrivent. Voilà, voilà ce genre de truc. Moi, ça me fait rire, j'aime bien. Ça change du truc où, bah voilà, le mec il arrive. Des fois, je dis pas, c'est cool hein, quand t'as le mec qui arrive, il y a un bon scénar, bon, à la fin, ça fait vraiment américain et tout. Mais des fois, j'aime bien que ça finisse con, quoi. Ou j'aime les films très cons aussi, hein. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas grand monde qui avait compris l'histoire de Elden Ring, du coup ils sortent deux livres, guide et histoire à 90 balles les deux. Ah ouais, bon, après bon, je vais pas payer pour l'histoire, moi c'est pour ça, je préfère me dire c'est un Game of Thrones Elden Ring, tu vois. C'est une histoire de famille, ils ont tous couché les uns entre eux, il y a des frères et des sœurs, des machins, lui il va être meilleur que tout le monde, mais l'autre il est pas d'accord, et puis voilà, moi je me mets ça en tête, et puis au moins j'ai mon histoire pour Elden Ring, c'est très bien. Je combats des boss, j'en chie un peu, j'ai mon côté... tryharder qui est là, et puis voilà, ça fait plaisir. Merci, au revoir.
Mais voilà les copains. Imagine qu'il fasse ça pour les Dark Souls. Bon, si ça existe pas déjà. Mais ouais, en tout cas pour les copains, on va se quitter là. Et tu vois, c'était ça, c'était Luc qui demandait le mode cinéma, que je disais, si jamais on veut voir le jeu, mais en mode comme si on regardait un film d'horreur. Et il y a écrit derrière moi, il y a écrit « Regardez une sélection de dénouements prédéfinis. » Et tu vois, c'est mode cinéma. Pour ceux qui demandaient au cas où... pour l'histoire, par exemple, je suis une légende, le héros principal meurt, mais on voit pas vraiment ce qui se passe avec l'antidote, s'il fonctionne réellement, ils ont réussi à faire revenir tout le monde. Ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a deux fins dans Je suis une légende. Moi, j'ai vu la fin où il cabane, mais je sais qu'il y a une autre fin, je crois, où il arrive à faire un truc ou je sais plus quoi. Mais voilà, c'est pour dire un peu voilà le genre de délire que j'aime bien, quoi. Je vais me vendre. On peut faire ça tous les jeux From Software. Wiki Luffy. Ah bah ouais. Tu crées un Wiki Luffy, puis tu crées tout ça. Non bah en tout cas, c'était cool les copains. Moi je prends un plaisir monstre encore une fois sur ce jeu. Là on va jouer, on sait que la prochaine fois on bouge la vieille et Sylas, donc je pense pas qu'il y aura des morts, il y aura peut-être des choix, mais je pense pas qu'il y aurait de trucs vraiment extra, enfin en termes de choix. Hein. Et puis voilà, comme j'ai dit, demain c'est avec les copains, on verra sur quoi on part, je vais essayer de voir déjà s'ils sont dispo, on verra sur quoi on part, et puis dans le pire des cas, on continuera lundi The Quarry si vous êtes chaud les copains. En tout cas, c'était cool. On peut regarder comme un film. Ok. Moi, j'ai vu qu'une fin. Moi. Par contre, je note que t'as remis la casquette rouge. J'apprécie fortement. Ah oui, bah il faudra que je mette les autres. C'était El Darkness, je crois, qu'il voulait voir ma Cyberpunk. Mais je remettrai ma Cyberpunk. Mais de toute façon, il faudra que je change un peu la casquette. De toute façon, c'est juste qu'il y en a qui sont au nettoyage et tout ça. Enfin, c'est chiant de s'éparer quand tu. À force de les porter tout le temps, que la transpi. Alors, j'y vais à la brosse à dents, tu vois, pour bien nettoyer. Parce que j'aime bien prendre soin de mes casquettes. Je suis content d'ailleurs, il y a un béret que j'avais. Bah, le béret que j'avais le dernier coup, j'ai réussi à le faire revenir parce que pareil, il était pas mal crade et ça me faisait chier. Donc voilà quoi. Mais je remettrai d'autres casquettes si vous voulez, les copains. J'en ai plein. Mais pour ce soir, on va se quitter ici. C'était cool. Merci à vous de votre soutien fort incroyable, les copains. Encore une fois, vous êtes les bestes. Putain, ouais, ce soir, on a eu un raid aussi. Un sacré raid. Hein. On a eu pas mal de trucs ce soir. Ah, il n'y a pas les... J'ai pas mis les commandes Luffy. Comme le jeu tire pas mal, je fais gaffe. Je lance pas trop de logiciels. Donc, c'était qui? C'était Narcotino. Qui nous a fait un raid. Merci à Narcotino. Nous avons pareil Manon, Chocapic, Narcotino, Maëlys, Aigle Soyeux, je me suis pas trompé cette fois. Moonlight, Quentin, je pense, et Foufoul qui nous ont follow. Donc merci à eux et bienvenue en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie du Brock. Merci à vous les copains. Merci à vous. Mon petit Luc, El Darkness, mon petit Singo, ma petite Méline. Mon petit Porosite, mon petit Luffy, mon petit Pandix aussi qui est passé. Est-ce que j'oublie encore du monde, les copains? En tout cas, dans tous les cas, merci à tous hein, de me suivre dans cette aventure. Merci, mon petit Luffy, pour tes 5 bits. Merci. Merci. C'est mon petit Luffy. Ça fait plaisir de te revoir un peu, mon Luffy. Merci encore pour le live. Une prochaine fois, reposez-vous bien. De très beaux rêves. Ben, ça marche. Merci, mon petit Luc. En tout cas, merci à vous encore une fois de votre soutien fort incroyable pour ce soir. J'espère que vous avez passé encore un bon moment. On le continuera, comme je vous ai dit, on le continuera lundi. Grand max, si jamais il n'y a pas les copains, on le fait demain, mais ça m'étonnerait. Donc, je préfère vous dire lundi et demain, c'est copains. Et samedi aussi. On verra peut-être. Il y a moyen qu'on se tape une petite session Fall Guys ou quoi. Je vais essayer de guetter un petit peu ça, là, voir un peu ce qu'on peut faire. Ou soit du Rocket ou du Conan de toute façon. Mais
Mais on verra. Demain, normalement, c'est copain, c'est le week-end, comme je vous ai dit. Et puis, on profitera, on improvisera. Ou du Forza. Ouais, Forza, ça fait un moment que je l'ai pas touché. Mais là, si c'est avec les copains, je pense que ça va être autre chose que Forza. On verra, on verra, on verra. En tout cas, merci encore de votre soutien fort incroyable, les copains. Vous êtes les bestes, je vous le dis à chaque fois. Merci encore pour votre soutien, de toute façon, pour les raids et tout, les follow. Merci à vous. Merci de partager cette aventure. Merci aussi de participer, hein, comme je dis à chaque fois. Merci de participer. Ça fait vivre le stream, pardon. Et vous m'aidez dans mes choix pour le jeu, c'est cool. Ça vous fait participer également, donc... C'est pas mal. Et puis, comme j'ai dit, on mettra en place l'idée que j'avais eue de vous donner un perso à chacun sur un prochain jeu qu'on refera ou un prochain qui sortira. On se fera ce délire-là. Comme ça, tout le monde aura son petit perso et aura sa propre histoire. Donc voilà. En tout cas, merci encore, les copains. Je vous fais plein de bisous. Coucou, passez une bonne nuit. Bob, demain, c'est soirée GeoGuessr. Ah, vous faites une soirée GeoGuessr ? Eh ben, au moins, on sait ce qu'on fait. Ragbrok était d'accord. Ah bah ouais, ouais, faites du GeoGuessr, y'a pas de soucis. On continuera The Quarry, du coup, les copains. Bonne nuit, attention à la folle de la quête Quarry. Exactement, attention à la folle de la quête Quarry. Comme je dis, de toute façon, ne regardez pas sous votre lit. On a fait les bons choix. Donc il n'y a rien, on est en sécurité pour le moment. Sauf, on a dû gaspiller une vie parce que j'ai tiré trop tard, mais... Mais on verra sur quoi on part, parce que GeoGuessr, ouais, moi ça me va bien une heure, tu vois. C'est sympa, mais une heure, moi. Donc, mais on verra sur quoi on part. Donc voilà, les copains. En tout cas, merci à tous encore de votre soutien fort incroyable sur cette chaîne. Vous êtes les bestes, les copains. Au bisous et à demain. Bah, ça marche. Des bisous, des bonnes nuits. Prenez soin de vous. Courage pour ceux qui bossent demain. Courage pour ceux qui s'amusent demain. Vous avez de la chance. Vive à fond les manettes, les copains. Je vous aime. Ça, vous le savez. Et puis, je crois que j'oublie rien. Demain, copain ou Quarry, on verra. Donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, les copains. Et comme toujours, on se retrouve sur un prochain stream. Je vous dis à bientôt. Ciao. Vous êtes les bestes. Merci encore, les copains. Vous êtes les bestes. Merci, merci. We'll be right back.